rentrer sans plus tarder dans l'analyse de ce qui devrait être le chapitre 12 de l'Apocalypse, les deux signes astronomiques qui sont annoncés actuellement par plusieurs personnes. Ce que je vais faire, je vais procéder à une description très rapide des acteurs ou des éléments que je vais analyser. On va commencer par l'astéroïde Child, ici, dont on voit l'appellation 4580 Child. Il faut noter que euh, parce qu'on parle de signe astronomique, la Bible nous dit un grand signe apparu dans le ciel. Et euh, si c'est un signe qui apparaît, donc il doit être visible, euh, il faut que ce soit visible, sinon il n'apparaîtrait pas dans le ciel. On observe ici que Child a une euh, magnitude absolue de 12,31. Pour vous faire euh, ça simple, une magnitude de 12,31, c'est une luminosité extrêmement faible. OK? Plus le chiffre de magnitude est élevé, plus la luminosité est faible. C'est à l'inverse, si vous voulez, de qu ce qu'on peut penser. Ce n'est pas qu'une magnitude est élevée, donc c'est encore plus brillant, c'est l'inverse. Vous allez avoir des magnitudes qui vont être négatives. Si vous rentrez dans Google, la magnitude du Soleil, par exemple, alors on obtient une valeur de moins 26, ce qui est extrêmement brillant, vous le savez, vous ne pouvez pas regarder le Soleil. De façon directe, vous allez euh, avoir des problèmes avec vos yeux. Et on parle de la Lune ici de moins 12,74. Donc, pour venir ici, on a une magnitude de plus 12.31. Et pour, ob pour observer ça ici, c'est minimum, c'est une minorité de personnes sur Terre. Ça prend un télescope d'un minimum d'un miroir d'un diamètre de 6 pouces. Là, plusieurs personnes qui font de l'astronomie vont de avoir des appareils qui ont... Habituellement, 4 pouces, 4 pouces et demi de miroir, c'est la base. Mais euh, lorsqu'on arrive dans des diamètres de 6 pouces et plus, on parle d'appareils euh, qui sont semi-professionnels euh, à professionnels. Et ici, je vous dis, pour, pour observer ça, ça prend un télescope de 6 pouces. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui possèdent ça, même chez les astronomes amateurs. C'est une minorité d'astronomes amateurs. Donc, cet objet-là plus ou moins, de, pourrait, ne pourrait être observé que par une minorité de monde. Et là, vous allez vous dire, OK, donc ce ne sera pas le signe qu'on attend en de, euh, cette année à la fête des trompettes. En fait, on va regarder si au niveau prophétique, cet objet-là, même si elle, elle demeure non visible, peut faire partie du chapitre 12 de l'Apocalypse. Comme je vous dis, on va faire une analyse vraiment exhaustive de tout ça. Après ça, on va aller au prochain objet qui est l'astéroïde Nations Unies. L'astéroïde Nations Unies, c'est encore pire, elle a une, une magnitude encore plus élevée, c'est-à-dire une luminosité encore beaucoup plus faible que Child. Elle, ça prend réellement un télescope de grade professionnel pour l'observer. Ce qui est incroyable, c'est que les Nations Unies, vous connaissez évidemment les Nations Unies, mais c'est eux qui chapeautent actuellement le, la détection et la gestion d'objets célestes qui pourraient être dangereux, c'est-à-dire de frapper, qui, qui, qui seraient une menace de frapper la Terre. Un autre objet qui est la planète Mars, et on sait que la la, le dieu Mars est, représente le dieu de la guerre. Un autre élément qu'on va regarder, et non le moindre, c'est la nouvelle découverte, la venue très récente d'une comète qu'on n'attendait pas, qui est la comète Nishimura, et qui a été découverte le 11 août cette année. Un autre élément, c'est le Grand Dragon Rouge. OK? Euh, certaines personnes mentionnent que la comète Nishimura serait le grand dragon rouge. Non seulement ce n'est pas le grand dragon rouge, mais en plus, elle n'a pas la couleur. Il faudra au moins qu'elle ait la couleur. Elle est complètement bleutée et verte. Euh, la couleur d'une comète, lorsqu'on atteint des couleurs comme verte, comme on voit ici à l'image, c'est des comètes extrêmement énergétiques. C'est des, des, des comètes qui ont un, une interaction électrique avec le soleil qui est à son apogée. On va revenir aussi à Nations Unies. On a des commentaires à l'effet que ce serait le Grand Dragon rouge. On va regarder si ce l'est ou pas. Et si ce n'est pas le Grand Dragon rouge, est-ce que ça peut avoir une signification prophétique qui, euh, qui va dans le sens du chapitre 12 de l'Apocalypse? Quelque chose qui n'aurait pas été vu par les gens qui ont lu le chapitre 12 de l'Apocalypse. Eh bien, on va aller voir ces choses-là. Dans l'analyse qui va bientôt suivre. Maintenant, ici, on a fait le grand dragon rouge. On va regarder un élément qui s'appelle. C'est encore un astéroïde qui s'appelle EB. On va regarder la couronne de 12 étoiles. On va l'analyser. C'est un élément qui doit être présent. Alors on va regarder un élément qui s'appelle Didymos. On va regarder un élément qui s'appelle. Israël, c'est un, un astéroïde qui on a donné le nom de Israël. On va aller voir un élément qui s'appelle Hérodias, un autre qui s'appelle Myriam. On va aller voir un astéroïde qui s'appelle Red Queen, Isis, Caspar, Harmonia, Ariquipa. Azap. On va voir d'autres éléments comme euh, l'astéroïde euh, Elijah. Elijah qui signifie, c'est en anglais qui signifie euh, Eli, comme le nom du prophète Eli. On va voir aussi l'astéroïde Wood, comme vous voyez ici à l'écran. Là, je vais vous en nommer rapidement là, quelques éléments qu'on va regarder. L'astéroïde Eight, l'astéroïde Kalevala, Brixia, puis Menta. Et on va regarder aussi quelques autres éléments d'astéroïdes comme Ukraine, China et Russie, ou Russia en anglais, China qui veut dire Chine, et Crimée. Alors on va regarder ces éléments-là. Là maintenant, je vais débuter à reprendre ces éléments-là, mais de rentrer dans, le, dans les détails prophétiques. Donc ici, voici l'astéroïde Chade à la fin de la fête des trompettes, soit le 18 septembre. Si on recule un petit peu avant, ça c'est la veille de la fête des trompettes, on voit que l'astéroïde n'est réellement pour les dates de la fête des trompettes. Ça c'est un signe. C'est quand même quelque chose d'assez euh, remarquable que ça se passe euh, à la fête des trompettes. Et si on regarde la définition ici de child, ça dit un humain. En train de, qui est dans le, le, les étapes de la naissance. En plus de ça, on nous donne ça dans le stellarium. Un être humain dans l'état, dans le stage de la naissance. C'est quand même assez surprenant, assez intrigant de voir ça. Maintenant, il y a deux éléments. Cet enfant-là doit être dévoré éventuellement. Et l'autre chose, il n'est pas visible à l'œil. C'est réellement... On ne peut pas dire que c'est un signe, c'en est un parce qu'on connaît l'élément grâce à la technologie, grâce à des logiciels comme Stellarium. Mais par contre, on ne le verrait pas à l'œil nu et la Bible est claire si on lit le chapitre 12, un grand signe parut dans le ciel. Quelque chose qui paraît dans le ciel, eh bien, il faut que ça soit visible jusqu'à un certain point. On s'entend là-dessus. Alors, premier élément, on va analyser pour que cette condition là soit vraiment le chapitre 12 de l'Apocalypse, il, il va falloir qu'il y ait un élément qu'on appelle le grand dragon rouge et non ce n'est pas les Nations Unies, les Nations Unies c'est le système qui va aller avec le dragon rouge. Les Nations Unies c'est aussi va prendre son envol ou si vous voulez sa force en tant que gouvernement mondial dans le même temps que le grand dragon rouge ou Satan va apparaître sur Terre. Ça, c'est un élément qu'on sait, qu qui, qui est indéniable. Le système de la bête va, va émerger. Il est déjà en place, mais il va émerger au moment où l'antéchrist va prendre position. Puis l'antéchrist prend position après l'enlèvement. C'est parce que nous... Les chrétiens ayant le ministère de retenue du mal par le Saint-Esprit, cette limpie ne peut pas apparaître en, avec force d'action tant et aussi longtemps qu'on est là. Donc, il faut regarder si on avance dans le temps, on va se donner, un, si vous voulez, un aperçu du délai que devrait nous apparaître le grand dragon rouge si. C'est réellement le signe astronomique du chapitre 12 qui va se produire dans quelques semaines, à la fête des trompettes cette année. Alors, on va avancer dans le temps. Je vais replacer le stellarium ici. Continuez d'avancer. Voyez-vous, Child est encore à proximité dans l'environnement de, de la constellation de la Vierge. Et... On nous dit bien un autre grand signe parut, et voici, c'était le grand dragon rouge. Sa queue se tenait et entraînait le tiers des étoiles et les jetait par terre. Le dragon se tint devant la femme, ou à, en présence de la femme, okay? c'est pas le devant, c'est réellement en présence de la femme, okay? qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle l'aurait enfanté. Donc, euh, on va retourner à l'image ici de Stellarium. Et donc, le dragon doit se tenir à proximité de la femme pour dévorer l'enfant. C'est encore possible ici. On est rendu au mois d'octobre, du milieu d'octobre. On continue. Et en date du 7 novembre, l'astéroïde enfant ou Chad va s'approcher de la constellation de la balance. C'est encore possible qu'un grand dragon rouge se situerait dans l'environnement où vous voyez mon curseur, puisse vouloir dévorer l'enfant. Et je dirais que la limite, ça commence à être pas mal à partir du 11 ou du 12 novembre. À partir de là, d'ailleurs, on voit l'astéroïde Child arriver à proximité d'une étoile qui tient la balance du côté euh, supérieur ou côté, on va appeler ça le côté droite la balance si vous voulez du côté gauche, ça serait l'étoile qui est ici qui s'appelle Sigma Libra donc le l'astéroïde Child qu'on va remettre ici à l'écran arrive à proximité de l'étoile qui s'appelle Zuber -Nescamale. cette, cette étoile-là tient la balance du côté droite versus l'étoile ici que j'ai montré qui s'appelle Sigma Libra, tient la balance du côté gauche. À partir de là, si on continue dans le temps, ça va devenir pas mal difficile à cet enfant-là de se faire dévorer par quelque chose qui se situe en présence de la femme. Moi, je mets pas mal la limite ici, donc je dirais mois de novembre à la grande limite début décembre. Donc, si c'est réellement le chapitre 12 de l'Apocalypse qui est pour ce faire, je vous annonce que Nibiru va apparaître cette année à l'automne. J'ai toujours mentionné que Nibiru apparaîtrait pendant un automne, l'année devait être identifiée, on ne savait pas quelle année, mais que c'était pendant l'automne, j'ai toujours mentionné jusqu'au mois de décembre, et eh bien je le confirme encore, cet enfant-là doit être dévoré d'ici le début décembre ou la fin de novembre, sinon, on n'aura pas affaire au chapitre 12. Donc, il va falloir attendre réellement de voir ce signe-là se produire. Et voir si on apparaît, si apparaît le grand dragon rouge pour en avoir l'assurance à 100%. Par contre, on ne sera peut-être plus là parce que si l'enlèvement arrive, à la fête des trompettes, vous n'aurez pas la chance de le voir. Et c'est tant mieux. Mais si je vous donne les informations comme je les vois maintenant. Maintenant, tout au long de la présentation, est-ce que je vais donner des éléments qui semblent confirmer que ce signe-là, c'est réellement le signe du chapitre 12 de l'Apocalypse? Eh bien, vous allez voir tout au long de la présentation. Fait que donc, on vient de voir le premier élément ici. Le second élément, on va retourner en arrière ici. Bon, voilà, la fête des trompettes. Donc, le premier élément, on vient de le voir. Le deuxième élément, c'est « Child n'est pas visible » et on nous dit bien dans le chapitre 12 de l'Apocalypse, « Un grand signe paru dans le ciel ». Alors, ce que je suis en train de vous dire, que ça disqualifie cet alignement astronomique-là, avec la présence d'un astéroïde qui s'appelle Enfant, qu'on nous dit en plus que c'est un enfant en stage de naissance, est-ce que ça disqualifie le chapitre 12 parce qu'on ne le, le voit pas à l'œil La réponse est non, parce que lorsqu'une femme a un enfant dans son ventre, elle est sur le point d'accoucher, on ne voit pas l'enfant. L'enfant est dans le corps de la femme et il ne sera pas visible. Maintenant, vous allez dire, « Oui, mais là, il naît. On devrait le voir parce que l'enfant naît. » Eh bien, ma réponse à ça, c'est que on le retrouve encore dans le chapitre 12 de l'Apocalypse. Et euh, le grand Dagon se teint en présence de la femme qui allait enfanter afin de déverrer son enfant lorsqu'elle lorsqu aurait enfanté. Ça confirme, elle enfantant un fils, donc on voit que par définition, les deux signes astronomiques du chapitre 12 doivent arriver assez rapidement l'un envers l'autre. En 2017, on avait Jupiter, là, parce que Jupiter est un élément astronomique qui se déplace très, très tranquillement sur l'écliptique. Okay? Donc, on peut parler d'un an avant qu'elle passe de la naissance, la barre de la naissance ici, on va dire que cette barre-là, c'est la naissance, à... Se retrouver encore entre les deux jambes de la, de la Vierge. Donc, Jupiter, ça peut lui prendre au-dessus d'une année, faire cette partie-là ici que vous voyez. Tandis que l'astéroïde voyage beaucoup plus rapidement. Donc, si c'est Child ou l'astéroïde Child représente réellement l'enfant d'Apocalypse 12, il faut que le grand dragon rouge, une Ibiru, apparaisse cette, cette année avant le mois de décembre. Donc, l'enfant ici. N'est pas visible, mais c'est normal, il est dans le ventre, mais là vous allez me dire, il naît. Mais le chapitre 12 de l'Apocalypse nous dit bien, elle enfanta, qui doit pas être toutes les nations qu'une verge de fer, et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Donc, il se peut ici, il n'est jamais dit qu'on va voir l'enfant comme tel. Aussitôt qu'il naît, il est enlevé comme Élie a été enlevé et comme Enoch a été enlevé. Ils étaient là en présence. Élie euh, est en présence d'Élisée, son fils, et tout à coup, euh, les vêtements sont tombés à terre. C'est terminé. Élie n'était plus présent sur terre physiquement. Il était parti vers Dieu, qui le rappelait à lui. Ça se fait instantanément en un clin d'œil. Vous le savez, l'enlèvement se fait en un clin d'œil. Donc, ma réponse pour l'instant, tout est, conf est conforme. Je confirme que si on ne voit pas l'enfant Chide qui est un astéroïde, il n'y a aucun souci. Ça peut être toujours le chapitre 12 de l'Apocalypse qui est présent, même si on ne la voit pas. Alors, pour terminer, je vais mentionner l'élément suivant qui va rajouter assez, de façon assez intéressante des éléments très surprenants et excitants sur cet astéroïde-là. Pour ce faire, on va analyser... Un élément qui s'appelle United Nations, qu'on voit ici, qui est Nations Unies, qui est juste à côté, et qui lui aussi émerge de façon incroyable, dans le même temps que l'astéroïde Child. Écoutez, c'est incroyable. Mais je veux... Faire cette présentation-là en gardant mon calme et ne pas laisser aller mon effervescence parce que il faut. J'ai déjà montré des signes incroyables là, qui sont aussi statiquement impossibles que ce que je vous montre là. Comme exemple, en 2013, 2014, les quatre chevaux de l'Apocalypse. Quelqu'un qui a un esprit mathématique qui regarde cette vidéo-là, puis la démonstration que j'ai faite, est complètement sous le choc parce que c'est impossible que ça arrive sans qu'un être suprême, ici j'ai nommé l'Éternel ou Dieu, le veuille. Sauf que là, les chevaux de l'Apocalypse ne sont pas arrivés en 2013-2014, mais c'est un signe qui annonçait leur, euh, leur arrivée, si vous voulez. Ici, je suis obligé de sauter à Nations Unies pour compléter mon analyse de l'élément, attendez, de l'astéroïde Child, OK, qui est ici. Et c'est une raison, il y a une raison très, très particulière pour cela. On va retourner à United Nations. Le voilà. Et donc, voici, je m'explique. Ça a été décrit comme étant le grand dragon rouge. Eh bien, ce n'est pas le grand dragon rouge. C'est un élément qu'on ne voit que la magnitude est encore plus faible que Child. Je veux dire, c ça prend ici réellement un télescope de probablement au-delà de 12 à 14 pouces et 16 pouces de miroir pour pouvoir y parvenir. C'est des télescopes qui valent une fortune. Qui se retrouve dans le, dans le, normalement dans la sphère du professionnel. Alors, impossible que ce soit le grand dragon rouge. OK? La couleur, premièrement, c'est un rocher qui est comme gris. Euh, je peux vous le remontrer ici à, à l'écran, si vous voulez. Alors, voici un peu. Euh, c'est sûr que c'est euh, des images de gris et noir, mais c'est réellement un rocher, un, ni plus ni moins un très 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 gros rocher euh, qu'on voit. Donc, euh, c'est réellement dans les teintes du, du rocher, comme du gris, euh, du noir et de ces, teintes, de ces types de teintes-là très sombres. OK? Donc aucune chance que ça soit un grand dragon rouge. Premièrement, le grand veut dire, euh, si on regarde dans l'astron, ça signifie énorme, euh, majestueux euh, et toutes ces, ces terminologies-là, des synonymes de grandeur. Donc ici, on n'a pas affaire à un élément astronomique qui est énorme. Là maintenant, le deuxième élément que je veux regarder avec United Nations, on ne le voit pas, donc très très faible en luminosité. Alors, est-ce que c'est possible ou est-ce que ça disqualifie le chapitre 12 de l'Apocalypse qui nous parle d'un grand signe qui parut? Eh bien, la réponse est non, pour la simple et unique raison que United Nations, on, vous connaissez toutes les Nations Unies, il n'y a rien de caché là-dedans. Les gens aiment ça, c'est les Nations Unies. Ils sont vus comme un très bon organisme, un organisme pour la paix, avec les casques bleus qui interviennent pour aider, et blablabla. Bla bla. Mais. C'est de, des Nations Unies que le système et le gouvernement mondial vont émerger. Il est actuellement occulté au plus grand nombre. Les gens ne pensent pas, quand vous êtes un chrétien, vous parlez, écoutez le gouvernement mondial, vous parlez à des gens du monde. Là. Vous dites, écoutez, le gouvernement mondial s'en vient, il est déjà en place, on vous regarde, on vous dit vous êtes un théoricien du complot on. Ou on vous dit rien, mais on pense que vous êtes fou. Ou on vous entend parler, puis on, ils ont hâte d'aller vaquer à le, leurs occupations. C'est tout simplement ça. C'est très très difficile d'avoir l'attention de quelqu'un. Puis de parler des Nations Unies comme étant le gouvernement mondial. Il est occulté actuellement, donc il n'est pas visible. C'est un système qui va émerger après ici, qui va, qui annonce aussi l'arrivée du grand dragon rouge. Maintenant, on va aller plus loin que ça. Est-ce qu'il y a une prophétie qui nous parle que l'enfant viendrait avec les Nations Unies? Eh bien, la réponse, c'est oui. On le voit ici. Et ça a été, c'est en plein visage, en plein visage, dans, dans notre vue, exactement dans le chapitre 12 de l'Apocalypse, la, de dans les signes astronomiques, la réponse nous est donnée. Alors, on nous parle de l'enfant ici. Et on nous dit que cet enfant-là, elle est enfante d'un fils. Vous voyez, elle l'enfante. Fait que là, on n'est plus dans une femme, dans les douleurs de l'enfantement. On est à la naissance. Et je vous remets l'image ici de la naissance. Nations Unies naît avec Child, qui est environ ici. Les deux vont naître environ en même temps à la fête des trompettes. OK, Child est environ ici. Là. Si vous voulez, je peux vous le remettre pour vous le, le remontrer. « Child », vous voyez les Nations Unies, regardez « Child », les deux naissent en, environ en même temps. Et même, je dirais environ, ils naissent en même temps, on peut carrément dire ça. Donc, elle l'enfant d'un fils, qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer? Qu'est-ce que toutes les nations? Eh bien, toutes les nations, c'est les Nations Unies, ou « United Nations » en anglais. Pardon. J'ai dû avec mon clavier un peu. Bon. Qu'on voit ici. Alors, n'est-il pas incroyable de voir l'enfant côte à côte avec Nations Unies, qui, donc, on peut dire que c'est un synonyme de le faire paître. Paître, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire nourrir, amener son. Son mouton dans, des, dans les prés pour le faire manger et brouter l'herbe du sol. On a juste à penser au berger qui fait paître ses moutons, qui est côte à côte avec lui, avec eux en fait. C'est réellement l'image que j'ai en tête, moi, du, euh, du berger qui fait paître son animal. Ici, on voit une autre image, c'est symbolique évidemment. De, du berger qui fait paître ses, ses moutons et qui est côte à côte avec son, son animal pour le faire pour le nourrir et le faire brouter l'herbe du sol alors c'est incroyable de voir les deux côte à côte ici et selon moi United nations doit apparaître avec l'enfant parce que l'enfant doit le faire paître il doit faire paître toutes les nations alors ça n'a rien à voir avec le grand daron rouge c'est un élément les nations. Alors ici, ce que je suis en train de vous dire, c'est que tous les éléments semblent montrer qu'on a effectivement affaire ou qu'on va avoir effectivement affaire aux grands signes astronomiques, aux deux grands signes astronomiques. Je dis bien parce que je viens de vous montrer que l'enfant doit être dévoré par un dragon en, en la présence de la femme, et comme l'astéroïde voyage beaucoup plus rapidement que Jupiter, qui lui J'aurais laissé jusqu'à décembre 2018. J'ai fait une conférence l'été 2018 et je me suis dit, c'est soit cet automne, sinon l'enfant Jupiter est disqualifié. Il ne peut pas être dévoré, il ne sera pas dévoré par un dragon. Trop tard. Maintenant, on a la chance de voir un élément qui s'appelle l'enfant ou Child, qui lui donne l'espoir de voir apparaître ce, ce signe astronomique-là. Et là, les preuves semblent s'accumuler juste avec United Nations qui est côte à côte que ce serait vraiment le signe qu'on attend depuis longtemps et qu'on a cru être l'événement de 2017 qui finalement on le sait très bien maintenant que ça ne l'est pas. Alors maintenant, on va pousser un peu plus la chose. Oups, j'ai perdu mon élément de chair. On va retourner. On va avancer dans le temps. Et vous allez voir quelque chose d'extraordinaire que j'ai découvert. Alors, ici, l'élément Child arrive. Vous avez ceux qui ont écouté mes vidéos de par les années, vous vous rappelez de l'étoile centrale qui tient la balance de Astré, la, la déesse qui tient la balance du bien et du mal, etc., de la balance de, de la justice. Et l'étoile Zubénel Genubi, ok, cette étoile-là ici centrale, c'est elle qui tient la balance. Donc, elle tient la balance et le général de toute la balance, c'est elle donc qui est responsable de balancer les choses. Ok? Tandis que l'enfant Child, lui, s'en va se faire balancer du côté droit ou la la balance supérieure, parce qu'il arrive exactement à l'étoile ici, qu'on qu appelle ces Kamali camali. Pardon, c'est un petit peu difficile à nommer hein, ces étoiles-là. Là. Donc, Child, euh, je vais le retrouver. Là. Juste à côté, on le voit ici, réellement, avec l'étoile, cette étoile-là pour se faire balancer, tandis que regardez où se trouve United Nations ou Nations unies à côté de l'étoile qui tient la balance globale. Ça, c'est incroyable. Et regardez bien une prophétie des derniers jours qui est absolument incroyable, qui correspond à ce qu'on voit ici comme spectacle astronomique. Alors c'est celle-ci dans les Proverbes 11, verset 1. En passant, 11, c'est le chiffre de la rébellion totale et de la destruction. Donc curieux qu'on ait 11-1 comme euh, prophétie ici. Donc ça nous dit, la balance fausse est en horreur à l'éternel. Alors qui détient la balance? Ça va être les Nations Unies qui vont faire la balance des pouvoirs, la balance de l'économie. C'est eux qui vont, comme le Georgia Guidestone dit, qui vont euh, vouloir avoir une humanité en balance, en harmonie. Le mot balance qui revient ici. Alors, on sait très bien que si vous allez sur le site des Nations Unies, vous avez la, la parole de Dieu dans le cœur. Tout ce qui est écrit là, c'est à faire vomir, c'est incroyable. Lorsqu'ils vous disent pour la paix et sécurité, c'est pour la guerre. Lorsqu'ils vous disent pour l'équité, la justice. C'est euh, oui, ils vont nous mettre tous comme des, euh, des esclaves, tout égales, esclaves, et eux vont, vont être des rois, ils vont disposer de nous comme ils veulent, ils vont être des RM, ils vont avoir l'argent. Euh, tandis que nous, ben, on va être également stupides et détruits en arrière d'eux, à leur disposition, avec une marque qui va faire que les gens, sans cette marque, ne pourront ni acheter ni vendre, ni fonctionner. Ils ne pourront même pas parvenir. Euh, subvenir, si vous voulez, au bien de, de leurs enfants, au, aux besoins de leurs enfants. C'est effrayant. Après ça, la, la Bible nous dit qu'ils vont, dans Jacques 5, ils vont frustrer tous ceux qui ont cultivé le, le champ depuis des années. Ils vont les frustrer, puis que leur cri de détresse va venir jusqu'à l'éternel des nations, de, 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 l'éternel euh, des armées, pardon. Et euh, si on regarde les six premiers versets, c'est effrayant, mais il parle aux hommes riches, il va les punir. Mais verset 7, ça nous parle de l'enlèvement, mais toi, homme de bien, etc., etc., ça confirme qu'au grand, grand reset, c'est le temps de l'enlèvement. Donc les Nations Unies tiennent la balance, et c'est en horreur, que, parce que la balance fausse est en horreur à l'éternel, mais le poids du juste lui est agréable. Alors, si on regarde Chade ici, le poids du juste, eh bien, il se retrouve balancé, pesé, et son poids, pendant que la balance est faussée ici, le poids de l'enfant est juste. Et l'enfant qui est l'enfant, par extension, c'est sûr, c est, c est, on parle de l'enfant qui est à naître, que la femme qui est. Israël a donné naissance à Jésus-Christ, le Sauveur de l'humanité, mais par extension, l'enfant qui va être enlevé, parce que ça c'est une prophétie, tout le monde s'entend à ça, le chapitre 12 de l'Apocalypse, c'est une prophétie des derniers jours, ça ne peut être l'enfant ne peut être Jésus. On est édifié sous lui, donc il ne faut que ce soit que l'Église. Ce n'est que l'Église qui est possible ici, puisque c'est une prophétie des derniers temps. Et, à titre de preuve scripturale, je vous dis, je vous dis ceci. Chapitre 2 de l'Apocalypse, au verset 26 et 27. Donc, le Seigneur qui parle, il dit, À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Okay? Il les paîtra avec une verge de fer comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même, j'en ai reçu le pouvoir de mon père. Donc, par extension, le pouvoir d'avoir la verge de fer pour paître les, les nations, si vous voulez, avec une verge de fer, tel qu'il nous est dit dans le chapitre 12 de l'Apocalypse, et qu'on voit Nations Unies ou les nations côte à côte avec l'enfant qui va faire pètre, les nations, l'enfant qui est l'église, qui est l'ensemble des croyants, qui vont être enlevés euh, je pense j'ai toujours pensé que c'était la fête des trompettes, bien que Dieu est souverain et peut faire ça à d'autres jours est-ce que euh, à la fête des trompettes exactement, on va être enlevés cette année il se peut que ça retarde un peu mais il faut que ces choses-là arrivent rapidement à tout le moins enfant, avant que le grand dragon rouge avale l'enfant parce que s'il si l'aval, puis qu'on est encore là, ben, à ce moment-là, il euh, y, y a un problème. Mais notez qu'il s'agit ici de signes astronomiques. Ça peut annoncer à très court terme notre enlèvement sans que ce soit la journée même. Mais on va voir à ce moment-là apparaître dans le ciel un grand dragon rouge. Sachez que si vous le voyez... Il va grossir à la vue d'œil, ça va être énorme. Ça ne sera pas très long qu'on va avoir des sérieux problèmes sur la planète Terre, dû à cet objet céleste-là, que des gens appellent Nibiru, connu sous le nom de Nibiru. Il euh, y en a qui vont l'appeler Planète X. Bref, les anciens l'appelaient le destructeur, et la Bible, à un certain endroit, l'appelle aussi le destructeur des nations. Donc, voilà. Alors, ici, ça fait. Ça met fin à cette démonstration-là que les Nations Unies n'est pas le dragon rouge comme il est mentionné. En tout cas, c'est à mon avis. J'espère que je vous amène des arguments assez frappants à cet effet-là. Et ici, à quoi on assiste, c'est comme si on est à de tourner un grand film à Hollywood et il y a plusieurs acteurs dans ce film-là. Et on sait que le film est à de débuter. Euh, sa production parce qu'il y a trois acteurs sur sept à titre d'exemple qui sont présents déjà arrivés sur les lieux de tournage. À ce moment-là, il nous manque certains acteurs, mais on le sait qu'ils doivent arriver rapidement puisque le, le, on est à la veille de débuter le tournage et la production du film. Alors, Child étant là, les Nations Unies qui sont des éléments qu'on voit ici qui doit paraître, l'enfant doit faire pas être toutes les nations. Ces deux éléments-là ici sont présents. On a le, le, le symbole ici de la femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds. On va voir tous ces éléments-là. Donc, euh, même la lune qui est sous les pieds. On le voit ici. Je n'en ai pas parlé, mais on va retourner à la fête des trompettes cette année. Et on voit... Réellement, la Lune ici, au pied de la Vierge, pendant que Child et Nations Unies, ça aussi, c'est un élément. La Lune, j'ai oublié de vous la donner comme élément de départ, mais c'est, elle est là. Elle, elle correspond avec le Soleil qui enveloppe la femme jusqu'à date. On a réellement un alignement qui semble vouloir nous amener à ce chapitre 12 de l'Apocalypse là avec ces deux grands signes astronomiques. On a donc l'acteur, l'une, l'enfant, la chose unique que l'enfant doit faire paître, la lune, la présence de la femme. Maintenant, ce n'est pas parce que le grand dragon rouge n'est pas arrivé que le, le film ne va pas se faire. Il reste encore du temps avant son arrivée. Ici, je vous fais ça, c'est une image, mais c'est exactement ce à quoi on assiste. Alors donc, le premier signe, en résumé, rapidement, un grand signe paru dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds, une couronne de douze étoiles sur sa tête. Elle est enceinte et elle criait, était en travail dans les douleurs de l'enfantement. Donc on a toutes les conditions, l'enfant, le soleil qui enveloppe la femme, la lune ici qu'on voit à ses pieds, mais il manque la fameuse couronne de douze étoiles. Et la couronne de douze étoiles, même Joël en a parlé, ce qui est assez incroyable, c'est que si on considère une constellation comme ici dans notre cas qui nous intéresse, c'est la Vierge, eh bien, il n'y a pas que les étoiles principales qu'on voit ici reliées d'une ligne. Les étoiles que vous voyez ici reliées à, aux lignes font partie de ce qu'on appelle un système de référence astronomique basé sur la Grèce antique, qui appelle le système de référence de l'Ouest. J'en ai déjà parlé. C'est très 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 important puisque ces étoiles-là Font partie du, euh, de la mythologie grecque, et cette mythologie grecque, elle est mentionnée dans la Bible à divers endroits. On a juste à penser euh, au célèbre nom d'Apollo qui nous est donné dans le chapitre 9 de l'Apocalypse pour nous décrire le nom de l'Antéchrist. Alors, ça fait référence à la mythologie grecque. Et donc, ces étoiles-là ici sont, qui sont reliées, font partie de la mythologie grecque reliée à la Vierge. Par contre, il y a beaucoup plus d'étoiles que celles mentionnées ici. Il y en a des dizaines et des dizaines. Et je vous donne un exemple. Si on, re on rentre par, exemple, par hasard, 35 VIR. VIR qui, qui veut dire Virgo, c'est toutes les étoiles reliées à la constellation de la Vierge, VIR. On voit que c'est une étoile qui existe. Je vais rentrer par hasard, et peut-être que ça n'existe pas, mais 77 VIR. Et elle existe. Elle est ici. Donc, ça commence au chiffre 1 et ça monte. Donc, je suis rendu à 77, vous comprendrez qu'il y en a beaucoup. Mais qu'est-ce qui est assez incroyable? C'est que si on rentre 1 VIR, elle se retrouve sur la tête. 2 VIR, encore sur la tête de la Vierge. 3 VIR, toujours sur la tête la tête de la Vierge 4 VIR la tête de la Vierge etc etc jusqu'à 12 VIR elles sont tous dans l'environnement de la tête et on va essayer 13 VIR et elle, elle n'est plus dans l'environnement de la Terre, c'est vraiment l'épaule. Alors si on regarde les 12 premières sont tous environ au cou et en montant sur la couronne de la tête de la Vierge. Contrairement à 2017 où les étoiles étaient au-dessus, mais pas vraiment dans la même constellation, elles étaient dans la constellation du Lion. Ça n'a rien à voir avec la Vierge. Alors, ce qui est incroyable, c'est que les douze premières étoiles nommées pour la Vierge se retrouvent exactement au niveau de la tête. Pour vous faire fi de toute la démonstration, vous pourrez regarder dans Stellarium en rentrant premièrement le chiffre que vous voulez de 1 à 12 et après. Vous laissez un espace et vous rentrez VIR comme virgo, vous allez trouver comme exemple 12 VIR, eh bien, va se retrouver toujours au niveau de la tête. Ça, c'est incroyable. Et j'ai fait une image pour toutes vous les compiler avec des petits points rouges. Je vous la donne pour vous montrer la vue d'ensemble de qu'est-ce que ça donne, toutes les 12 étoiles en même temps. Et voici l'image que j'ai obtenue. Alors voici, on a la date du 19 septembre, donc euh, ok euh, 2023, c'est la fête des trompettes. Peu importe. Regardez les points rouges ici, ce sont les 12 étoiles de la Vierge, les 12 premières étoiles qu'on voit ici, Tout au niveau de la tête. Ça c'est incroyable. Mais la, la question, le problème que j'ai avec ça, c'est que vous allez comprendre que c'était là l'année d'avant. Ces douze étoiles-là n'ont pas bougé dans le ciel, à proprement dit. Euh, il y a mille ans, ils étaient là. Il y a 500 ans, ils étaient là. Depuis votre naissance, à chaque année, ils ont été à la même place. Alors donc, la parole nous parle qu'il doit y avoir une couronne de douze étoiles au moment de ce signe-là. Si cette couronne-là n'était pas quelque chose de nouveau, ou à tout le moins, il doit y avoir un marqueur pour nous, les, pour nous les pointer, qui a rapport à quelque chose avec douze dessus, ou relié à quelque chose qui nous parle de douze éléments. Je vous rappelle que les douze étoiles sur la tête de la, de la femme, la femme étant Israël, ce sont les douze tribus d'Israël. C'est ça la représentation biblique à proprement dit. Mais comme Satan veut toujours imiter le Seigneur, dans sa mythologie, dans la mythologie grecque, il s'est nommé lui aussi des éléments de douze qui chapeautent, si vous voulez, les dieux de la mythologie grecque et tous les personnages, les semi-dieux, nommez-les tous sont chapeautés par douze éléments. Les douze éléments, je vais vous les montrer, elles sont les suivantes. Alors, Alors les Olympiens ou si vous voulez les douze dieux qui dominent au mont Olympe sont au nombre de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, dont le fameux Apollo et Zeus, Zeus qui est le dieu des dieux, qui serait un peu représenté comme l'Éternel ou notre dieu à nous, dont le symbole est l'aigle, et on sait que le symbole de l'Éternel, c'est l'aigle, un de ses euh, symboles d'animal favori. Et Apollo, ici, curieusement, c'est lui qui va vaincre, tout, qui, qui est au-dessus de tout cela, alors que qui peut être au-dessus du dieu des dieux Parce que si vous êtes le dieu des dieux, ben, ça le dit, il n'y a personne au-dessus de vous, alors que dans la mythologie grecque, c'est le personnage Apollo qui domine. Il vient ursu, u, usurper, si vous voulez, l'autorité de Dieu et de tous les autres dieux en même temps. Alors, ils sont de nombre de douze. Maintenant, vous allez me dire, c'est quoi le rapport entre les douze étoiles et le nombre de douze Eh bien, la réponse, je crois que la réponse nous est donnée encore par un signe céleste qui est occulté, mais qui peut lire, qui peut voir les choses occultées, si vous voulez, peut arriver à comprendre qu'il y a peut-être un marqueur qui nous dit, voici. C'est l'année de la couronne des douze étoiles et ceci se ferait en 2023 à la fête des trompettes. Regardez mon explication à ce sujet-là. Alors, cela m'amène à vous parler d'un élément ou d'un acteur que j'ai mentionné au début, qui s'appelle Hébé, qui est la déesse de la jeunesse éternelle. Mais lorsqu'on. Vous n'avez sûrement jamais entendu parler d'elle, Lorsqu'on étudie qui elle est, c'est là que ça devient très intéressant. Elle avait pour fonction d'amener les, euh, les breuvages favoris des dieux du mont Olympe. Donc, elle amenait, elle était la favorite des dieux et elle leur amenait leur nectar favori aux douze dieux de l'Olympe. Et ça, lorsqu'on étudie la mythologie un peu plus loin relative à Hébé il n'y avait pas grand monde qui rentrait au mont Olympe. Hein? C'était les douze dieux, c'était exclusif. C'était la seule qui avait la permission d'entrer au mont Olympe. Elle n'était pas inclue dans les douze dieux, mais elle avait tellement l'admiration la, et la confiance des dieux qu'elle pouvait se promener. Et c'est elle qui servait les, les, les breuvages des, des, des dieux grecs. Et ça, c'est extrêmement important parce que... Il existe effectivement, on la voit ici en plein centre du lion à la date du 18 juillet dans le cœur du lion. Et si on avance les journées, on la voit traverser le lion et elle arrive proche de la tête de la Vierge. Et si on va à la fête des trompettes, regardez exactement où elle est. Si ce n'est pas un pointeur pour nous montrer la couronne à la fête des trompettes 2023, je ne sais pas qu ce que c'est, mais. Hébé, je vous le rappelle, ce n'est pas un hasard. C'est la seule déesse demi ou demi-déesse qui avait la permission d'entrer dans le mont Olympe, incluant les douze dieux de l'Olympe, pour leur servir leur breuvage favori, dont le vin et d'autres nectars que vous pourrez lire vous-même si vous étudiez la mythologie grecque. Relative à Hébé. Elle a éventuellement été remplacée, mais c'est elle à l'origine qui avait le, le seul accès au Mont Olympe en dehors des douze dieux de l'Olympe. Douze dieux, douze étoiles, douze couronnes, les douze tribus d'Israël. On a un pointeur qui nous amène à cette date-là exactement sur la tête. Eh bien, mes chers amis, c'est unique. C'est unique de nous pointer les douze étoiles par un, un astéroïde qui aurait été nommé. En rapport aux douze dieux de l'Olympe qui chapeautent la mythologie grecque et je vous le rappelle, le système de référence qui est un appel de l'Ouest ou qui est relatif à la Grèce antique c'est la mythologie qui a été euh, mise dans le ciel, si vous voulez, et c'est ça que nos astronomes professionnels modernes ont utilisé comme système de référence. Parce que si vous allez dans Stellarium, vous pouvez changer le système de référence. Vous avez le système astronomique chinois, mais il est chinois, il a été fait par les Chinois. Pourquoi qu'on a la mythologie grecque, mais on la mentionne de l'Ouest Eh bien, je vous le dis, il n'y a... Il faut se référer à ces étoiles-là. Une des raisons, toutes les prophéties bibliques de la vision, ben, exemple de, de ce que Jean de Patmos a vu sur l'île de Patmos, quand Jésus est venu vers lui, puis il lui a dit "Écris les lignes que je vais vous te dire d'écrire." Il a écrit le livre de l'Apocalypse, qui a aussi euh, qu'on appelle aussi le livre de Jésus-Christ, de l'Apocalypse de Jésus-Christ. C'est Jésus qui lui a dit "Écris ceci." Alors que Jean était totalement démuni, il se sentait tellement minable, détruit, euh, moins qu'une lave, il était totalement il se sentait abandonné, et c'est là que l'un des plus grands prodiges de bénédiction lui est arrivé au moment où il était complètement désespéré. Je vous dis ça pour ceux qui souffrent actuellement. Alors Donc Ebé se pointe. Exactement à la fête des trompettes, il nous pointe la tête de la Vierge, la couronne dans laquelle on retrouve les douze étoiles. Et pour moi, ceci est une confirmation à 100% jusqu'à date que tous les éléments pour que ce signe-là soit le signe qu'on attend, soit effectivement le vrai signe, il nous manque toujours l'acteur Grand Dragon Rouge, mais celui-ci, si on lit le livre d'Apocalypse, va apparaître dans le deuxième signe après la naissance, un certain temps après la naissance, que j'analyse qui ne peut pas dépasser la fin du mois de novembre, particulièrement à partir du 12 novembre, le lendemain du 11, en montant, je pense que le signe de, du grand dragon doit apparaître. Si on n'a rien au mois de décembre cette année, qu'on n'est pas enlevé, alors je vais mettre un doute sur ce signe astronomique-là ici, comme étant celui du chapitre 12. Mais jusqu'à maintenant. Mon analyse est 100% conforme. Même les objets qui sont occultés, qui ne sont pas visibles à l'œil, sont conformes à la parole. L'enfant est dans le ventre de la femme. Il va être enlevé en un clin d'œil. Il ne sera donc pas visible aux personnes extérieures. Et c'est normal. Mais certains acteurs doivent être visibles, dont les douze étoiles ne sont peut-être pas tous visibles. Si je prends par exemple... OK. Euh, on va prendre 7 virgos. Et on regarde sa magnitude de 5.34. Bien, 5.34, c'est visible à l'œil. Alors, c'est quand même des étoiles qui sont visibles, mais bien que quand même assez difficiles à voir, sont tout de même visibles. Ce sont des étoiles qui sont connues. Certains éléments sont occultés, mais il y a des raisons pour ça, comme j'ai montré, Nations Unies. C'est un... Tout le monde connaît les Nations Unies, mais ici, elle, elle est occultée parce que c'est les Nations Unies, après l'enlèvement, Satan va avoir le plein pouvoir et il va y avoir une grande crise économique. Et de là va émerger le gouvernement mondial, dont le système. Et c'est intéressant quand même, les Nations Unies, même si ce n'est pas le dragon rouge. Mais le système des Nations Unies ou le système de la bête apparaît au même moment où le dragon rouge apparaît. Ou à quelques semaines ou quelques mois près, ils vont apparaître ensemble. Donc, on peut dire à proprement dit qu'ils apparaissent ensemble. Alors, euh, très excitant cet événement-là astronomique. Je la présente de façon différente de ce qui a été présenté par d'autres. Pour entrer un peu plus dans les détails... Étant donné que c'est une de mes spécialités dans mon ministère, les signes célestes, eh bien, je me régale actuellement à vous faire une présentation à ce niveau-là. Donc, on vient de voir tous les éléments sont présents. La lune à, au pied de la Vierge, la femme enveloppée du soleil, la couronne de douze étoiles marquée par Hébé. On a euh, l'enfant Child, l'enfant à naître qui, qui va faire paître les nations. Euh, maintenant, on va regarder un autre élément et non le moindre, c'est la comète C2023P1 Nishimura, découverte par l'astronome amateur Nishimura. Elle a été découverte de façon officielle le 11 août et elle était exactement ici, dans le Gémeaux, sous le Gémeaux chapeauté par l'étoile Pollux versus le Gémeaux ici chapeauté par l'étoile Castor. Donc elle était sous celui chapeauté par l'étoile Pollux et je vous ai déjà démontré dans des vidéos antérieures que l'étoile Castor représentait un peu comme l'histoire d'Abraham pour Ishmaël. C'était donc Ishmaël, le père de toutes les nations arabes, qui étaient des véritables experts en domptage de chevaux, notamment, versus Pollux, qui représente toutes les générations d'Isaac, dont Jacob. Et on a aujourd'hui les, euh, les fils de Jacob qui sont les Juifs. Donc la nation juive représentée ici dans le gémeau du Pollux versus le castor. Et il a découvert cette comète-là exactement sous le gémeau qui représente, le, si vous voulez, le, la, la nation juive. Et on va regarder l'évolution de cette comète-là jusqu'à aujourd'hui. Elle passe par le cancer, la tête du lion, et elle s'en va exactement au début de la fête des trompettes, en plein cœur de la Vierge. Ici, c'est très, très important. Premier élément cette comète-là, quand elle a été découverte, était d'une magnitude impossible de voir à l'œil nu. Mais. Les articles nous disent qu'elle va devenir visible à l'œil nu et c'est maintenant un des attraits les plus spectaculaires pour les astronomes amateurs de ce monde. Et c'est très important parce que si le Seigneur voulait nous pointer une région du ciel, un des spectacles qu'il peut nous offrir, c'est nous amener une comète qui s'en va se pointer exactement au moment voulu, dans l'endroit voulu où le Seigneur voudrait nous pointer quelque chose. C'est une comète qui a été découverte, mais tellement récemment, ça fait pas un an qu'on le sait. Tout arrive en même temps, subitement, et elle va se pointer ni plus ni moins que dans le cœur, dans la poitrine de la Vierge, OK, à la date du début de la fête des trompettes. C'est incroyable. Et elle va être visible au mois de septembre, au moment de son arrivée dans la constellation de la Vierge pour agrandir ce spectacle-là comme pour nous pointer, voici, regardez-la. -là. Et là, maintenant, vous allez pouvoir la, à, à, la voir à l'œil nu. C'est réellement un marqueur qui va être visible à l'œil nu. Ça, c'est remarquable que ce timing-là, que ce, ce, cette coïncidence-là arrive avec tous les autres éléments que je vous ai montrés. Donc, l'histoire incroyable de cette comète-là ne s'arrête pas là. J'ai comme l'impression qu'on va en découvrir d'autres dans les prochains jours, prochaines semaines. La, la chose qui m'a perturbé le plus concernant cette comète-là est ce qui suit. Regardez la démonstration. Maintenant, la présentation ou la démonstration d'un acteur ou d'un élément astronomique qui est non le moindre, c'est celle de la récente découverte de la comète Nishimura, appellation C2023-espace P1. Cette comète-là a été découverte le 11 août. Et vous allez souvent, si vous regardez la date de la découverte, on vous parle du 12 août, c'est pas clair. Mais je vais vous faire une rapide démonstration que c'est réellement le 11 août qu'elle a été découverte. Alors ici, c'est un article de la NASA officielle. Ça dit qu'elle a été découverte il y a 10 jours par Hideo Nishimura, qui est un astronome amateur. Et si on regarde 10 jours, et ça, la publication de cet article-là, c'est le 21 août. Si on retire euh, 10 jours, c'est le 11 août. Alors, voici ici une des preuves et la dernière preuve. Ici, dans l'agence d'information Star Wars, qui est associée à la NASA, qui est officielle, on nous parle de la découverte d'une nouvelle comète qui va bien, être bientôt vue en septembre à l'œil nu pour nous offrir un grand spectacle. Eh bien, on nous dit qu'elle a été découverte ici le 11 août par l'astronome la, la, amateur japonais Hideo Nishimura. Alors, incroyable parce qu'actuellement, elle n'est pas visible à l'œil nu. Vous devez avoir un télescope elle a une magnitude assez faible. On voit ici un peu l'historique des magnitudes. Euh, comme au 26 août, on a une magnitude de 7,7 et il faut une magnitude de 6,7. Et moins pour pouvoir observer un objet à l'œil nu. À partir de 6, c'est très faible, on peut le voir à l'œil nu. Donc, si, si vous avez les conditions là, que la, la, la Lune n'est pas trop éclairée. Et euh, parenthèse, les 12 premières étoiles de la tête de la Vierge sont toutes des magnitudes qui peuvent être vues à l'œil nu. Je vous fais une parenthèse comme ça. Et maintenant, donc, on regarde ici la magnitude qui va diminuer, donc elle augmente en luminosité jusqu'à 3.7. C'est-à-dire qu'à partir du 6 septembre, on va pouvoir commencer à l'avoir à l'œil nu. Et ce qui est absolument incroyable, c'est que son, sa périélie, on le voit ici, elle est atteinte le 17 septembre. Alors, le 17 septembre, non seulement elle a la magnitude... La plus faible ou la, sa plus grande. C'est là qu'elle va briller le plus, c'est la journée du euh, Rosh Hashanah, la deuxième journée lorsque euh, normalement les trompettes doivent être sonnées à Jérusalem, en Israël, pour annoncer réellement la terminaison de la fête des trompettes, comme il aurait été le cas dans les anciens temps par les deux observateurs du croissant de lune. C'est absolument. Ça, Moi, je suis incapable de concevoir qu'on nous envoie une comète demain. Et non seulement ça, mais cette comète-là va nous offrir un spectacle comme on voit ici. Elle a été découverte donc, dans le Gémeaux, comme je vous l'ai déjà montré rapidement. Et elle, elle va évoluer jusque dans la Vierge pour vraiment nous pointer comme de dire, regardez. Ça a été annoncé ici, tous les astronomes amateurs le savent, vont voir, l'observer, c'est un spectacle incroyable. Et là, les gens du monde le savent, on connaît cette nouvelle-là. Et ça, c'est pareil comme un pointeur qui nous dit Regardez à la date de la fête des trompettes dans la Vierge. Regardez, ayez vos yeux ouverts. Ce n'est pas sans me rappeler que le Seigneur il dit Levez votre tête, relevez votre tête, car votre délivrance approche. C'est réellement spécial. Parce qu'ici, c'est quelque chose qui va être vu à l'œil nu, que tout le monde va pouvoir observer, même ceux qui n'ont pas de télescope. Alors, je veux dire, c'est à ce moment-là, précis, quelle coïncidence, qu'il n'y en est probablement pas une. Depuis que j'ai donné mes vues au Seigneur, je ne crois plus aux coïncidences. Il faut savoir, c'est quoi que le Seigneur essaie de nous dire ici? En tout cas, il parle très très fort parce que moi je suis ébahi et surtout de vous montrer les, les statistiques ici, un peu plus bas, que sa périhélie, la périhélie, je vous rappelle, c'est périhélien en anglais, mais périhélie en français, ça signifie que la comète va être à sa plus grande, à, à sa plus proche proximité de la Terre et du Soleil, pardon, du Soleil. Pas de la Terre, mais du Soleil. Donc elle va atteindre sa partie, son... À sa distance, dans son orbite, le moment le plus proche du Soleil. Ce qui explique qu'elle est en grande interaction électrique et qu'elle va nous donner un spectacle de, de magnitude qui est vraiment exceptionnel. 1,4, là, c'est quelque chose d'extraordinaire. De on n'aura pas un petit spectacle ici. C est, c est, moi, je suis exactement à la fête des trompettes. Écoutez, je, je ne sais pas quoi vous dire autre que. C'est incroyable. Et maintenant, on pourrait regarder où elle va se situer si on va au 17. On va aller au 17. Dans la Vierge, je parle. Quelle est Nishimura On va regarder. Elle est exactement dans, le, dans la poitrine, ou en plein cœur de la Vierge. Et c'est ici, à la date du 17, qu'elle va atteindre sa magnitude la plus élevée. Maintenant, ce que je vais vous montrer là, ça m'a totalement euh, frappé très très solidement. On a ici le nom de Hideo Nishimura. On nous confirme que c'est un astronome amateur qui, là, qui a découvert la comète C2023 C20 P1 Nishimura, qui va augmenter en brillance euh, tout au long euh, de, des prochaines journées jusqu'à avoir son apogée en plein cœur de la Vierge. Alors, si on analyse qu'est-ce que signifie Hideo, on nous dit que c'est un excellent male child. Par extension, un mâle humain, c'est un fils. Donc, on a ici l'excellent synonyme ou l'excellent synonyme de man child ou le fils de l'homme, si vous voulez. Et Nishimura signifie aller à l'ouest. Vous m'aviez bien entendu. Donc, on a... Le fils de l'homme va vers l'ouest, si vous voulez, à proprement dit, dans le nom de Hideo pardon, Nishimura. Et si on regarde plus attentivement, si on va dans Matthieu 24, lorsque les disciples demandent au, au Seigneur les signes de son retour, on a plusieurs signes. Je l'ai déjà mentionné, les tremblements de terre, ça se fait sur des décennies, plusieurs signes sont donnés, mais ces signes-là sont tous présents. Des signes dans les cieux, on en a eu une panoplie depuis les dernières années, et ce, qu est en train de, de, ce que je suis en train de vous analyser là, c'est quelque chose qui est impensable dans notre intellect humain. Moi, ce qui m'a réellement renversé le plus, c'est ce que je vous montre là. Il est dit, le Seigneur dit lui-même de son avènement, et son avènement n'est pas son retour physique sur terre, c'est le fait qu'il se rapproche de la terre pour l'enlèvement de l'Église. Okay? Il dit, car comme l'éclair part de l'Est et se montre ou va en direction de l'Occident, qui veut, signifie l'Ouest, donc car comme l'éclair part de l'Est et, et va vers l'Ouest, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Nous avons ici exactement. La, la même appellation que le nom de cet astronome-là, ici, Hideo Nishimura, qui signifie Fils de l'homme vers l'ouest. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je suis absolument ébahi de voir ça. Je l'ai vu, j'ai su ces choses-là. Je suis en train de vous produire la vidéo maintenant, puis je, suis, euh, je dois prendre des respirs parce que c'est très difficile à gérer mes émotions actuellement. Mais ce qui m'a aussi interpellé, c'est le verset suivant. Car en quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. Curieusement, une vidéo que je vous ai faite l'année passée, suite aux obsèques de la reine qui, qui, a, qui ont eu lieu le 19 septembre 2022, soit un an pratiquement jour pour jour de la fête des trompettes, trompettes pardon, de cette année. Et je vais vous montrer juste cette image suivante. C'est l'image de la vidéo que j'ai produite l'année passée qui a été vue par très peu de personnes. Et malheureusement mais bon euh, je comprends que je n'ai pas fait très régulièrement les vidéos dernièrement dans les dernières années mais par contre je vous invite à la regarder parce qu'elle va prendre tout son sens. C'est euh, réellement intéressant. Et les obsèques de la, de la reine ont eu lieu le 19 septembre. Maintenant, on va considérer ce qui suit. Si on prend la journée à laquelle a été découverte cette comète-là, Nishimura, qui est le 11 août 2023, et qu'on applique le 19 septembre cette année, qui est un an, mais jour pour jour, de, du signe de, ou de l'avènement de, la, de la mort de la reine qui, soit dit en passant, mettait fin à 70 ans de règne, sans nous rappeler les 70 semaines qui ont été mises sur le peuple de Daniel, le peuple juif, eh bien, on arrive à un résultat incroyable de 40 jours. Maintenant, 40 jours, le Seigneur nous dit qu'il en sera à la fin des temps comme dans le temps de Noé, alors considérons ce qui suit. Genèse au chapitre 7. Alors, Noé se fait avertir qu'il reste sept jours. Car encore sept jours, et je ferai pleuvoir sur terre quarante jours et quarante nuits, et j'exterminerai de la surface de la terre tous les êtres que j'ai faits. Est-ce que c'est un alarme, en plus du grand signe astronomique du chapitre 12, qui semble être ce qu'on qu attend? avec effervescence depuis des années, qui est réellement le chapitre 12 de l'Apocalypse. Tous les eschatologues, tous les théologiens ont toujours mentionné que c'était le signe de prédilection, le grand signe attendu pour vraiment marquer le début de la, des tribulations, par extension que l'enlèvement doit arriver au préalable. Eh bien, on va, on va regarder ça plus en détail encore ici. Alors, donc 40 jours et 40 nuits de pluie, et j'exterminerai de la surface de la Terre tous les êtres que j'ai faits. Et Noé avait 600 ans lorsque le déluge d'eau fut sur Terre. Puis là-dessus, là je vous mets l'accent sur le 600 ans. Parce que pour le signe astronomique du 23 septembre 2017, ce, celui qu'on attend, que je vous fais apparaître en ce moment, qui est prévu pour le, le 17 septembre, et celui qu'on a cru qu'il qu l'a qu été en 2017, dont je vous fais apparaître encore l'alignement ici à l'écran, eh bien, il y a un espacement de six ans entre les deux signes. Six ans. Est-ce qu'il y a une signification qui peut être extrêmement importante sur les six ans? Eh bien, il faut comprendre que l'homme a été créé par le Seigneur au sixième jour. Un jour pour une, une année, une année pour un jour dans la Bible. Alors, ça c'est quelque chose que je veux noter. Donc, c'est la, la naissance ou la création, depuis la, la, la conception de Noé, il s'est passé 600 ans. Encore le chiffre 6 qui revient. Si on fait tomber les deux zéros, il nous reste le chiffre 6 entre les mains. Ce n'est pas 604 ans ou 640 ans, c'est réellement 600 ans, jour pour jour. Encore le chiffre 6 qui sort ici. Réellement, c'est incroyable. Et aussi, le Seigneur, il y a une relation avec le Seigneur et sa conception. Car ici, quand on regarde la planète Jupiter, encore une fois, Beaucoup l'ont appelé la, la, la planète euh, reine, pas reine, mais parce que c'est bon, une planète en français, ça a, du, ça a un sexe féminin. Mais en anglais, il n'y a pas de sexe, ils disent the king planet, la planète euh, roi, si vous voulez. Et cette planète-là, c'est la planète la plus massive de notre système solaire. Et curieusement, elle protège tout le système solaire d'une panoplie de cataclysmes possibles. Ça, je ne je, je rentrerai pas dans les détails, mais c'est réellement un protecteur. Ce qui est intéressant, c'est que la mythologie grecque l'a appelé Zeus, le dieu des dieux, et elle a toutes les caractéristiques de marqueur astronomique de l'équivalent de l'éternel ou du Seigneur, parce que par extension, les deux ne font qu'un. Alors, on aurait donc la conception et la naissance, six ans auparavant, de ce qui serait Zeus ou le Seigneur, à proprement dit, et donc, il viendrait six ans après nous chercher dans ce cas-là. Il a créé l'homme à la sixième journée. Alors, on a Noé qui avait six ans lorsque le déluge arrive. Alors, on continue dans les drôles de coïncidences qui vont vous, euh, j'espère, vous, vous donner de l'espoir ou, en tout cas, à tout le moins, vous, vous mettre en état de choc, parce que moi, c'est le cas dans mon. Dans mon cas, j'ai réellement la, la difficulté à concevoir ce que je suis en train de vous montrer. Et donc, si on va au chapitre 8, on nous dit ceci. On nous dit euh, que les eaux diminuèrent au bout de 150 jours. Donc, il a mouillé 40 jours, 40 nuits, ça cessé, Les eaux étaient partout à la surface du globe, et euh, Noé a, est demeuré sur l'arche, enfermé pendant 150 jours. Et, et au bout de 150 jours, on nous dit la date précise, on nous dit le septième mois du dix-septième jour du mois. L'arche s'arrêta sur les montagnes d'Arara. Ici, je vous invite à réfléchir, on va prendre le temps. Le septième mois, donc bibliquement, c'est le mois spirituel, c'est Tishri. Si on regarde dans un calendrier, dans le calendrier officiel hébreu, le mois de Ticherie, ici, on le voit, le septième mois, ce n'est pas le mois civil, parce que les Juifs appellent ça le premier de l'an, mais dans les fêtes, c'est le septième mois, et c'est conforme au calendrier d'Enoch, ici, là, ce que je vous dis là. Donc, euh, pour revenir euh, à la notion des mois ici, pardon, à la notion des mois ici qu'on voit, le septième mois du septième jour, eh bien, il faut que ce soit le calendrier d'Enoch, puisque c'est Enoch qui a transmis le calendrier, pas Enoch, oui c'est ça, pardon, Enoch, à Noé et sa descendance. Et donc, c'était le calendrier qui fonctionnait à l'époque et qui est conforme au calendrier donné à Moïse, confirmé pour toutes les fêtes. Donc, les fêtes qu'on a aujourd'hui, même s'il y a un décalage, que les Juifs, actuellement ne respectent pas nécessairement à la journée près, ce que Enoch aurait fait, on ne peut pas dire qu'il y a un grand décalage, c'est quand même toujours proche. Mais moi, ce qui m'interpelle le plus ici, c'est que il semblerait que le, notre calendrier moderne actuel, okay, le calendrier qu'on utilise de, dans la vie moderne, je ne parle pas du calendrier des Juifs, rentre en collision ou en coïncidence avec le calendrier d'Énoch de l'époque de Noé. Je m'explique. Le septième mois, c'est le mois de Tichy, au niveau des Hébreux. Par contre, le septième mois correspond au neuvième mois dans notre calendrier, qui est le mois de septembre, de façon majoritaire. Et je, on est en train de parler que cette année, le grand signe astronomique potentiel, parce qu'il nous manque toujours un acteur, je vais le dire jusqu'à la fin, si dans les semaines qui suivent, si on est encore là, parce que ça se peut que l'enlèvement arrive, pas nécessairement à la journée près de la fête des trompettes, bien que je pense que c'est une grande possibilité, mais ça se peut que ce ne soit pas le cas. Mais il faut que la présence du grand dragon rouge arrive. Si elle n'est pas là, oubliez ça, je veux dire, ce n'est pas le signe astronomique du chapitre 12, c'est une condition absolue. Mais je, personnellement, je ne vois pas pourquoi que ça n'arriverait pas, dans le sens que tous les éléments se confirment et se confirment et se confirment les uns après les autres. Donc, le neuvième mois qui est pour le mois hébraïque, le septième mois, on a la même journée qu'on se retrouve ici dans le calendrier d'Enoch du temps de Noé. Parce qu'ici, le calendrier qui est utilisé là, ce n'est pas le calendrier. Oui, c'est le calendrier hébraïque parce qu'il s'est fait confirmer par Moïse. Ce qui m'amène à vous dire que j'ai étudié beaucoup le calendrier d'Enoch. Il est conforme, il est, il est, euh, il est inspiré parce qu'il est exactement sans contradiction aux notions que Moïse a reçues lorsqu'il a établi les fêtes, comme justement la fête des trompettes. Incroyable! Le 17e jour du 9e mois ou le 7e mois, le 17e jour, sont des synonymes. Cette année en 2023. Et on nous dit encore, revient le 40 jours que je vous ai montré de la découverte de cette comète-là. Waouh! On nous dit que, est no, que Noé, c'est au bout de 40 jours qu'il ouvrit la fenêtre pour laisser partir la colombe et le corbeau pour découvrir s'il y avait assez de terre sèche pour espérer pouvoir débarquer et sortir enfin de l'arche. On nous parle encore du 40 jours. Mais n'oubliez jamais, les 40 jours et 40 nuits de pluie qu'il a eu et qui veut, dans le but d'amener de, une destruction totale. Et le Seigneur nous dit qu'il le fait avec de l'eau, et qu'il ne le refera plus jamais avec de l'eau, mais avec le soleil. Il va brûler dans les derniers jours, s'il parle le soleil, l'action du soleil qui va le brûler. D'où encore par extension, quand on nous dit qu'il se cache dans les densités de la terre, du trône, il se cache de ce que le soleil va devenir. Et il va devenir une nova. Il va réellement changer sa, sa morphologie. Il y a deux grands signes, pré, euh, deux grandes forces précurseurs qui nous annoncent qu'un soleil va devenir une nova. La première, il va rentrer dans une grande période de latence au-delà de la normale. La NASA nous l'a annoncé, je pense, pendant qu'il y avait la, la pandémie en 2020. Ils nous ont annoncé ça, que notre Soleil, ou un petit peu avant, peut-être 2019, que là, notre Soleil rentrait là, curieusement dans une grande, grande latence. Il était tranquille. Puis là, on nous annonce tout à coup qu'il émet des rayons gamma qu'il ne croyait pas que c'était possible. Ça, c'est la dernière phase d'une étoile pour devenir une nova. On va, je vais vous l'expliquer ultérieurement. Mais si jamais il arrive de quoi que je n'ai pas le temps de le faire, au moins ça aura été dit. Alors, nous avons une dernière considération à faire à regarder une voie astronomique. On a vu le grand signe dans le ciel que la femme est enveloppée du soleil, la lune est à ses pieds, une couronne de 12 étoiles, nous l'avons vu. Le fait qu'elle est enceinte avec un astéroïde qui s'appelle Child, on a vu ça. Elle est dans les douleurs de l'enfantement, oui, parce qu'on voit l'accouchement. Un autre signe encore paru dans le ciel, c'était un grand dragon rouge. Cet élément-là demeure à apparaître et il va apparaître après la naissance. C'est ce que les Écritures semblent nous dire. Il va falloir attendre de voir sa présence. On a vu toutes ces notions-là. Euh, bon, ici, ça nous dit que sa queue entraînait le tiers des étoiles et les jetait par terre. Le dragon se tenait en présence de la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant. Ça, c'est quelque chose que, on, qui n'est pas encore arrivé. Donc, l'enfant, ça confirme qu'il doit naître avant d'être dévoré ou qu'il tente de le, de le dévorer. Elle enfanta d'un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. On a vu parce qu'il est côte à côte avec les Nations Unies. Donc, c'est comme l'équivalent de, de, de nourrir, de faire brouter les nations. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Ça, ici, on n'a pas vu cette notion-là. Et on va regarder cette notion-là sans plus tarder. Maintenant, avant de débuter, il faut comprendre qu'est-ce que le trône. C'est des choses que j'ai montrées à plusieurs reprises de façon euh, très détaillée dans les années antérieures. Et euh, je suis convaincu que euh, la majorité d'entre vous, si ce n'est pas la totalité d'entre vous, vous ne, vous ne vous en rappelez plus. Pas de problème, on va faire une révision, mais une révision rapide de ces notions-là. Parce que ça a toujours donné, ça a, de, ça a déjà donné, été donné, pardon, en détail. Mais cette fois-ci, on va faire quand même quelque chose de rapide à ce sujet-là. Alors, dans l'Apocalypse, le chapitre 4, versets 2 à 4, on nous donne des caractéristiques du trône. OK? On dit, aussitôt, je ça en passant, c'est réellement la description de l'enlèvement. Le chapitre 4, c'est une description, euh, selon moi, c'est une, euh, une vue astronomique du moment pris ici, euh, auquel va arriver l'enlèvement, au moment de l'enlèvement. Alors ici, aussitôt, je fus réveillé en esprit, et voici, il y avait un trône dans le ciel. Ok, donc le trône... Euh, Évidemment, il est dans le ciel. Mais comme je vous ai déjà dit, il y a toujours une correspondance spirituelle, une correspondance géopolitique sur Terre, puis une correspondance astronomique. C'est-à-dire que le Seigneur nous démontre par sa grande force qu'il est réellement le Dieu qui dit qu'il est. Donc, euh, il s'identifie comme étant créateur de toutes choses et il le prouve en ayant le contrôle sur tous les aspects de nos vies. Euh, exemple que je pourrais donner, c'est... Le grand dragon rouge, c'est Satan qui descend sur Terre, qui amène avec lui le tiers de ses armées, quand ça nous dit que sa queue va balayer le tiers des étoiles pour les amener sur Terre. On a aussi des correspondances que le fait que les Fallen Stars ou les étoiles qui tombent, ce sont des, des, des anges déchus qui tombent. Alors vous avez des correspondances à ce niveau-là. Donc le grand dragon rouge, Satan qui vient sur Terre, il va évidemment être un personnage maléfique qui va amener le chaos, la destruction, la désolation totale sur Terre. Donc la géopolitique, c'est ça. Il est, il est identifié par un combat dans le ciel, par le grand dragon rouge, sa présence qui va arriver. Et évidemment, il y a un côté spirituel. Il ne vient pas là pour rien. Il vient là pour détruire la nation juive et assez de, de, de manger l'enfant qui est l'Église. Il ne pourra pas parce que l'Église est enlevée. Il va se tourner donc vers la femme qui va se sauver à la fin. De euh, au milieu de la Grande Tribulation, dans les montagnes de Pétras, si on voyait ça dans le chapitre 12. Donc, je vous résume ça rapidement. On voit une correspondance à, aux trois niveaux, astronomique, géopolitique et spirituel. Okay? Donc, le trône est dans le ciel. Donc, dans le ciel, il faut qu'il y ait un trône ou une voie astronomique. Et sur ce trône était assis, quelqu'un était assis. On sait bien que c'est le Seigneur. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de Japs et de sardoine. Et le trône est environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Ici, je vous montre, je ne vais pas rentrer dans ces détails-là, ça sent une preuve incroyable, d'un alignement qui a eu lieu le 22 juillet 2013, curieusement à la naissance du premier enfant de Kate et William, la famille royale. Mais je vais passer cela, mais ça, cet alignement astronomique-là, dont on voit l'image, donnait exactement l'image de la formation d'une septième corne euh, qu'on voit dans le livre de l'Apocalypse euh, qui est mentionné avec euh, la, la présence des quatre êtres vivants, des ailes, etc. C'est assez curieux ça. Mais quand on regarde, vu du pôle Nord, on avait exactement la reconstitution avec le trône en plein centre qui était le Soleil. Mais ça, c'est un petit peu complexe. On va passer celle-là, on va aller à des plus simples. Ça dit celui qui est assis avait l'aspect d'une pierre de Japs et de sardoine. Voici une photo de la surface du Soleil en euh, couleur réelle, ok Vous la voyez Mais maintenant, on va la comparer avec les photos d'une pierre de Japs et de sardoine. Et vous avez ici le Soleil, pierre de Japs et de sardoine. Donc, avait l'aspect de, donc c'est confirmé. On a l'aspect du Soleil et c'est tellement une couleur. Précise relative au Soleil ici, qu'on ne peut pas se tromper, il n'y a pas d'autre élément astronomique qui correspondent mieux que le Soleil pour la couleur du Japs et de Sardoine. En plus de ça, on nous donne deux pierres, on ne nous en donne pas juste une. Puis les, toutes les nuances de couleur de ces deux pierres-là se retrouvent au niveau du Soleil, du plus foncé jusqu'au plus pâle. Maintenant, et le trône est environné d'un arc-en-ciel semblable à de, de l'émeraude. Il y a un phénomène, comme j'ai déjà dit, au coucher du soleil qu'on appelle le, le, le flash d'émeraude. Ou il y en a qui appellent ça le rayon vert, le green flash. C'est réellement un vert émeraude, c'est au coucher du soleil parfait. Alors, on a par un, un, un effet de diffraction que la lumière verte des sept couleurs, euh, à, euh, si vous voulez, qui composent toute la lumière blanche. Une de ces celles-là, c'est le vert émeraude. Et celui-là parvient à l'œil de l'observateur qui regarde. C'est souvent visible quand vous êtes sous le bord de la mer ou de l'océan. Vous avez un horizon avec aucun euh, obstacle physique. Vous pouvez à ce moment-là, à la dernière fraction de seconde, voir un petit flash. Je pourrais vous montrer des animations de ça, mais là, si, si je commence à faire toutes ces choses-là, va, je vais avoir une production qui va durer des semaines, puis je ne veux pas ça. Alors, le flash d'émeraude ou le rayon vert, c'est réellement une description qu'on voit d'un coucher de soleil dans le chapitre euh, 4 de l'Apocalypse, qui est réellement la description de ce qu'on va voir à l'enlèvement. Et ça correspond encore une fois au soleil. Alors, d'autres preuves, eh bien, on a ça dans le livre d'Apocalypse au verset 10. La, la colère vient de celui qui est l'agneau Jésus, qui est assis sur le trône. Par transposition, celui qui est assis, Jésus, avait l'aspect d'une pierre de jabs et de sardoine, on l'a vu, et au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil. Son visage est comme le soleil. Ça, ça ne vous convainc pas que le trône, c'est le soleil. Et en plus, en anglais, on dit de son en parlant du soleil, mais c'est la même consonance que de son en anglais qui est le fils. Ce n'est pas un hasard, toutes ces choses-là. Alors, dernière preuve que le trône, c'est réellement le soleil, il est dit dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 6, les versets 15 et 17. Euh, les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers de la montagne. Il disait aux montagnes, aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est le Seigneur, parce que c'est lui qui ouvre les... Qui vient juger, c'est lui qui ouvre les, euh, les seaux pour les, les chevaux de l'Apocalypse. Donc, cachez-nous de devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau, car le jour de sa colère est venu et qui peut subsister Alors, même la science moderne le dit que les problèmes vont venir du soleil et actuellement, on a justement une série d'articles. Je vais lui venir, je vais, je vais revenir là-dessus. Parce qu'une série d'articles concernant le Soleil, et c'est des preuves empiriques, des preuves irréfutables, que notre Soleil il est en grande transformation, il se prépare maintenant, il est dans la dernière phase de devenir une nova. Et je vais vous rappeler rapidement que les novas, ça n'a absolument à rien à voir avec une supernova. Une supernova, c'est une étoile qui explose en fin de vie. Notre Soleil est très loin d'en être à ce stade-là, puis le Seigneur ne permettrait pas ça. En fait, une nova, c'est euh, par la définition de la science, des choses que je vais vous montrer euh, plus tard dans cette présentation-là. Je vais vraiment me concentrer sur le signe astronomique du chapitre 12 actuellement. Mais la nova, elle, c'est quand vous avez un soleil accompagné d'un compagnon, un autre soleil plus petit en masse, et lorsque les deux soleils se retrouvent à leur euh, proximité les plus proches l'un de l'autre, eh bien, il y a un changement majeur qui s'opère. Évidemment, sur les deux étoiles, mais c'est sur le soleil principal. Dans notre cas, c'est notre soleil. Ça rend le soleil euh, au niveau variable, au niveau luminosité. Notre soleil est considéré comme un soleil variable. Si vous rentrez dans Google, est-ce que notre soleil est considéré comme variable ou pas Vous allez voir, la réponse est oui. Et on observe des, des étoiles variables dans l'univers. 80% des systèmes solaires observés sont des systèmes à multiples étoiles, 2, 3 ou 4 étoiles et même davantage. C'est une minorité d'étoiles qui sont seules. Et, et donc, lorsque vous avez une étoile variable, c'est créé par l'excitation de la proximité d'une seconde étoile. On ne la voit pas nécessairement. Et dans le cas des non-brunes de classe L ou M, c'est pratiquement impossible à observer. Elle va être observée. Comme le chapitre 12 nous le dit, subitement, le grand dragon va apparaître à l'œil de tous lorsque sa, sa chimie, la chimie de son atmosphère va être modifiée, parce qu'il va rentrer réellement en, dans l'interaction finale avec notre soleil, de, avec l'atmosphère de notre Soleil, pour créer une nouveau. C'est notre Soleil qui va devenir, dans le fond, qui va enfler, qui va grossir en diamètre. Vous le voyez dans le livre d'Isaïe quand ça nous dit que le soleil va donner sept fois sa lumière, puis la lune va donner la lumière du soleil. C'est parce que la réflexion de la lune, à cause de l'immensité d'augmentation de la luminosité du soleil, eh bien, évidemment, la, la surface de la lune va, va illuminer de façon incroyable. Vous ne pourrez même pas la regarder si vous êtes encore là. Vous allez vous brûler les yeux juste à regarder la lune, puis le soleil, bien lui, va avoir sept fois sa luminosité. Ça, c'est une nova. C'est la définition d'une nova. Ça dure quelques semaines, puis ça reprend le, le soleil principal, dont notre étoile, qui est notre soleil, va reprendre plus ou moins sa force, sa luminosité du départ, après le départ de planète X. Donc, c'est ça ici, et on nous avertit que c'est réellement le soleil qui va créer euh, des, le chaos sur la Terre. Et euh, voyez-vous ici, la NASA euh, s'inquiète. Ça, c'est des articles qui datent déjà. De euh, euh, 2013, on le voit ici. Mais euh, actuellement, notre Soleil a commencé à faire un, une activité complètement nouveau pour la science moderne. Mais en fait, ils, ils la savent la réponse. Je vais vous prouver qu'ils savent la réponse. Et c'est la dernière étape d'un Soleil qui va, se prépare à devenir une nouveau. Alors donc, est-ce que cette année en septembre, à l'étude du chapitre 12 de l'Apocalypse, Que l'épreuve nous amène à plus espérer le fait que les signes qu'on voit astronomiques actuellement nous pointeraient qu'on qu est vraiment à l'année du chapitre 12 de l'Apocalypse et de des grands signes astronomiques. Eh bien, la réponse semble être toujours oui. Mais n'oubliez pas que la parole nous dit, la parole est très très claire, que tous et chacun d'entre nous, dans 1 Corinthiens 13 des versets 9 et 10, il est écrit. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie, mais quand ce qui est parfait sera venu, euh, ce qui est partiel disparaîtra. Alors, voyez-vous ici, j'ai beau vous donner toutes les preuves que réellement cette année semble être l'année de, de, de prédilection pour le chapitre 12 de l'Apocalypse. N'en demeure pas moins qu'il se peut que ça ne soit pas exactement comme on, on le pense et qu'il y a des délais, ou que ce ne soit pas le signe, mais sincèrement, à regarder ça personnellement, je vous le dis, moi, j'ai jamais vu autant de signes qui nous pointent sur le chapitre 12. Alors donc, on retourne à notre trône dans le ciel, qui est définitivement le Soleil. Alors, on va considérer encore le chapitre 12 et le dernier point qu'on veut voir. Donc, son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Donc, l'enfant doit être enlevé vers le trône. Le trône, c'est le soleil. Est-ce que ce qu'on attend comme chapitre 12 de l'Apocalypse au mois de septembre cette année confirme ce qu'on lit ici? Eh bien, regardons la démonstration suivante. Alors, ici, une petite note particulière. J'ai toujours mentionné depuis le début de ma présentation que la fête des trompettes était les 17-18. C'est une petite erreur. C'est les plus les 16 et 17. On voit ici dans un calendrier officiel hébreu, c'est 16 et 17, dont la veille de Rosh Hashanah est le 15. Alors, mais ça change absolument rien à ma démonstration. Tout fonctionne. Ne vous inquiétez pas. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait cette erreur-là. Je m'en suis aperçu, mais je ne veux pas commencer un heure d'enregistrement. Ça ne sert absolument à rien. Tout, tout est fonctionnel. Non seulement ça, c'est encore plus précis. Mais écoutez, c'est réellement subtil comme changement. On va le voir ici. Donc, je me retrouve la veille de la fête des trompettes le 15 novembre. On voit l'astéroïde Child. Il est justement encore plus précis parce qu'il n'est pas né. Il est réellement un petit peu à l'intérieur de la ligne. On voit au 16. Il traverse la ligne. Il naît réellement à la, à la première journée de la fête des trompettes. Puis, comme vous voyez, le 17, la deuxième journée de la fête des trompettes. Alors, il est rendu ici. Alors, cet enfant-là doit être enlevé par le trône. On voit ici le trône qui est le soleil à cette position-là. Là, je vais faire avancer dans le temps les jours. Et regardez bien ce qui va se passer. On voit ici que le Soleil rattrape l'enfant. Le, Child. Je continue. Voyez-vous. On est rendu le 16 octobre. Ce qui va arriver, c'est qu'éventuellement, la luminosité du Soleil va réellement englober Child. Il ne sera plus visible même avec le plus puissant télescope sur la planète, à cause qu'il va être éclipsé par le Soleil. Et c'est exactement ce qu'on voit. Et, curieusement, on voit que cette situation-là où le Soleil se met vraiment en conjonction avec l'enfant le, aux alentours du 11 novembre, si vous voulez, début de novembre. Et c'est au moment où le, le Soleil atteint l'étoile qui s'appelle Gélubel ici, qui est l'étoile par excellence de l'annonce des, de, des grands troubles sur terre ou de la tribulation. C'est cette étoile, je vous le rappelle, qui est tenue dans la main de astrée la déesse de la justice. Et c'est dans les écloques de Oville, il nous annonce que le règne d'Apollon arrive au moment où astrée revient. Je trouve ça extrêmement, extrêmement, extrêmement... Euh, Troublant comme information. Je veux dire pour moi je, je suis euh, totalement euh, submergé dans ma tête pour de vous montrer ces choses-là. Alors donc, effectivement, l'enfant child est enlevé vers le trône, astronomiquement parlant, on le voit ici, ce qui rend cette partie-là, ici, du chapitre 12 de l'Apocalypse absolument réel, selon ce qui va arriver dans le, dans le ciel. Et euh, à proprement dit, si on rentre un peu plus dans les détails, je vais ici, si on vient un petit peu en arrière, eh bien, on peut dire que déjà ici, l'enfant est, est enlevé par le trône après sa naissance, puisque la luminosité du soleil va être telle qu'on ne pourra plus voir cet objet-là, même avec des, des puissants télescopes. Et d'ailleurs, ici, On voit quand même qu'il une très grande proximité. Maintenant, on a des choses à considérer qui sont encore extraordinaires. Amos, le chapitre 8, et les versets qui suivent. Donc, deuxième jour de la fête des trompettes, la journée à laquelle théoriquement on sonnerait les trompettes, c'est le 17. Si on va un an jour pour jour aux obsèques de la reine, on se retrouve le 19. OK. Et donc le 19, c'est quelques jours après la proclamation de la nouvelle lune pour la fête des trompettes. Et bien si on regarde en mois suite, il est dit, « Vous dites, quand la nouvelle lune sera-t-elle passée, afin que nous vendions du blé ?» Quand finira le Shabbat afin que nous ouvrions les greniers, nous diminuerons l'effort, nous augmenterons le prix, nous falsifierons les balances pour tromper. Alors, et ça nous dit en plus que c'est la tribu de Dan. Vive ton Dieu, Dan! Ça, la Bible nous dit même qui va faire ça? C'est la tribu de Dan, c'est des gens qui appartiennent à la tribu de Dan. Et je vous rappelle que les Rothschild ont acheté la Fond monétaire internationale avec les deux tiers de leur, de leur euh, fortune en 2018. J'ai fait des vidéos là-dessus. Et les deux tiers de leur fortune, à ni plus ni moins, il leur reste un tiers dans, dans, à eux. Et bien, juste le tiers est suffisant pour eux pour acheter toute la planète Terre. Curieusement, si vous rentrez les hommes les plus riches, les listes des hommes les plus riches, dans Google, curieusement, je pense que la famille Rothschild n'apparaît pas. Vous allez avoir Bill Gates, vous allez avoir toutes sortes de. Moi, j'appelle ça des, des marionnettes, là. Et, euh, ils sont bien contents d'être payés pour détruire puis, la vie des gens et de diminuer la population. Oh, Bill Gates, Dieu que tu es, tu, euh, tu mérites de faire des milliards parce que tu fais une tâche tellement importante. Tu es un super héros de diminuer la population pour le sauvegarde de de la planète. Donc euh, ces gens-là sont comme des dieux, font ce qu'ils veulent, diminuent les populations, travaillent dans ce sens-là, prennent tous les moyens avec leur argent et, au passage, se font des milliards de dollars. Eh bien, mais ce sont toujours des marionnettes malgré leurs milliards parce que les Rothschild, eux, les banques, les banquiers internationaux ne sont pas capables de mettre assez de zéro suffisant, ne sont pas capables d'évaluer leur fortune tellement qu'elle est élevée. Elle est supérieure à tous les produits nationaux bruts de tous les pays additionnés ensemble et les dettes des pays et toutes les ressources naturelles de la planète. Donc, ils achètent la planète et ils ont acheté la FMI et c'est eux qui vont être derrière la marque de la bête au niveau du contrôle des monnaies. Et évidemment, ils vont se faire éventuellement euh, évincer de cela. C'est la personne de l'Antéchrist qui va venir vraiment mettre la main sur toutes ces choses-là, par des prodiges, par des astuces incroyables. Bref, donc on nous annonce ici qu'après la fête des trompettes, parce que la fête qui annonce la nouvelle lune, eh bien, c'est la fête des trompettes. Eh bien, on nous annonce que c'est vraiment la crise économique globale et la falsification dans la balance. Et qu'est-ce que je vous ai montré ici? Eh bien, on va retourner un peu en arrière. On va rentrer. Vous avez Child et United Nations » qu'on voit ici. Et c'est celle-ci qui m'intéresse. Car, car ce contrôle-là va se faire à travers les Nations Unies. C'est les Nations Unies qui vont d'ailleurs euh, imposer ça. Ils imposent la vaccination. La vaccination est reliée très très intimement à la marque de la baie. Tout est là. Alors, on avance. Et on s'en va, comme je l'ai déjà montré, exactement le 11 novembre, à côté de l'étoile qui tient la balance, qui est Zinubel Genoubi, cette étoile-là ici. Alors... C'est réellement l'étoile de prédilection qui annonce le début des grands, grands, de grands troubles tels que la Terre n'a jamais connu. Ça, c'est des démonstrations que j'ai déjà faites, mais prenez-le pour acquis, sinon vous pouvez faire vos propres recherches là-dessus. Ça serait trop long pour moi d'embarquer encore dans des détails de choses que j'ai montrées dans les années antérieures. Alors, ici, on a donc... Je vous ai montré dans les Proverbes 11.1 que la balance fausse est en horreur à l'éternel, donc Nations Unies qui contrôle la balance, elle va la fausser, mais le poids du juste lui est agréable, et on avait vu que l'enfant Child, pendant que United Nations contrôle la balance, et eh bien l'enfant Child, qui est agréable à l'éternel, puisque l'éternel a toujours enlevé ceux qui lui étaient agréables, Enoch et Eli ont été enlevés, car ils marchaient avec Dieu, puis ils étaient agréables à Dieu, alors Child se fait peser lui dans une balance. Donc d'un côté, il est agréable et lui, ici, United Nations contrôle la balance pour la falsifier. Mais on va aller voir encore plus en détail. Dans les proverbes, au moment où la balance est fausse à l'éternel, mais que le poids juste lui est agréable, on nous dit que celui qui se confie dans ses richesses tombera. Alors quand on regarde dans ma 8, ils vont falsifier la balance au niveau économique. Ils vont tomber. D'ailleurs, c'est confirmé. On va revenir rapidement dans la suite, le verset où il dit qu'ils vont tomber. OK? Donc, confirmation qui tombe eux. Mais les justes verdiront comme le feuillage. On a une confirmation avec une projection astronomique qui, cette année, se, se, elle, elle est parfaite. Je veux dire, on ne peut pas aller plus loin que ça. Et... Comme certains d'autres vous ont montré, que vous avez sûrement vu les vidéos, on nous parle de comme les, la femme enceinte, ils n'y échapperont point. Alors, on a vraiment le signe d'une femme enceinte ici. Ça, c'est indéniable. Alors, dans mois Suite, pour revenir à ça rapidement, en parlant de Dan et de ceux qui sont derrière le système de la balance falsifiée qui vont frustrer. Les gens du monde parce qu'ils ont cultivé leurs champs et eux vont tout ramasser. Ils vont, euh, ils vont acheter. On nous dit, euh, puis nous, nous achèterons les misérables pour de l'argent et le pauvre pour une paire de souliers. Ils nous vendrons la clibure du froment. Je veux dire, ils vont rien laisser, ils vont tout ramasser, ok. Et je le péché de Samarie. Ils disent, vive ton Dieu, Dan. Eh oui, parce que toutes les gens vont embarquer dans ce système-là, les banquiers vont dire « Wow, les, ah, les Rothschild sont riches, ils possèdent tout, je veux faire partie de la clique, je veux participer, je veux en ramasser des, des richesses, moi j'en veux des richesses. » Eh bien, vive la voix de Béar et de Sheba, leur dieu, le Satan, mais ils tomberont et ne se relèveront plus. Confirmation des proverbes et de cette incroyable... Euh, alignement astronomique qu'on voit ici. Alors ceci conclut mon analyse des éléments principaux que je voulais vous montrer. Maintenant, on va rentrer dans d'autres analyses astronomiques qui, je vous le dis d'avance, confirment sur des confirmations, on a juste des confirmations de la, le, que ce signe-là serait le signe attendu. Euh, malheureusement, est-ce que je peux me tromper? La réponse est oui. Euh, il ne faut pas laisser trop mon enthousiasme aller là-dedans. Il faut que j'analyse ça de la façon la plus froide. Il va manquer la présence d'un dragon rouge et ce, ce dragon rouge-là pourrait même arriver quelques jours avant la naissance pour se présenter devant la femme. Mais euh, on peut dire que, à proprement dit, ça devrait être après la naissance de l'enfant jusqu'au maximum du début décembre, comme j'en ai parlé. Maintenant, ça termine grosso modo les éléments que je voulais produire dans une seule vidéo. Malheureusement, cette vidéo-là va être très longue, mais écoutez-la en plusieurs chapitres, en plusieurs parties si vous n'avez pas le temps. Ceux qui cherchent à avoir des informations sur deux minutes, tant pis, je ne je peux, euh, peux pas faire ça en deux minutes. J'aurais pu faire un, un minimum de résumé, mais ça, c'est réellement une analyse profonde que je viens confirmer ce que les frères et sœurs ont sorti sur cet alignement-là, qu'il soit américain, qu'il soit de la France. Ma seule note générale, c'est que je ne suis absolument mais pas d'accord sur le fait qu'on nomme soit la comète ou soit l'élément United Nation comme étant le grand dragon rouge. C'est le dragon rouge, c'est un élément astronomique majeur qui va, qui va arriver et qui doit arriver pour être conforme à cet alignement astronomique-là du chapitre 12. Et est-ce que les conditions maintenant que nous avons là, étant donné la position du soleil, de l'enfant, etc., du moment de l'année, est-ce qu'il y a des, des versets qui nous donneraient des indices sur l'orbite suivie par le grand dragon rouge de l'endroit du ciel dans lequel on va commencer à l'observer jusqu'à où il va aller? La réponse est oui, je vais vous en faire une démonstration. Est-ce que maintenant la deuxième question que vous allez avoir est-ce que cette année est conforme est-ce que cette année est conforme à ce qu'un tel alignement et présentation de l'apparition d'un grand dragon rouge est-ce que l'alignement actuel fait, est, peut rendre la chose possible la réponse est oui je vais en faire la démonstration maintenant est-ce que des preuves empiriques que j'aimais plus qu'auparavant cette situation-là pour arriver de l'apparition la, soudaine très bientôt d'un grand dragon rouge. Est-ce qu'on a des preuves scientifiques empiriques de cela que j'aimais plus comme toutes les années auparavant? Euh, qu'on peut s'attendre à cet événement-là? Eh bien, la réponse est encore oui. Et ça, c'est des démonstrations que je veux faire, mais au moins, vous avez l'essentiel entre les mains de mon analyse personnelle de cet alignement-là. Et encore une fois, je vais remercier... Euh, Joël, Joël, je te parle personnellement parce que tu m'as. Euh, j'étais totalement désespéré. Mais quand j'ai vu ta vidéo, euh, j'ai été, euh, été vraiment euh, interpellé par ça. Euh, et puis, lorsque j'ai vraiment pris la décision de faire cette vidéo-là, je vous jure, j'ai eu de l'opposition, c'était incroyable. Et j'étais découragé. Et c'est après, et les attaques ne cessaient pas, qui m'ont coûté une fortune, ça n'arrêtait pas, ça venait d'un côté ou de l'autre. Puis, euh, à un moment donné, j'ai commencé à me mettre à la tâche. Je vous le dis, j'étais comme un zombie sans aucune émotion. Je, je me suis juste dit, l'ennemi ne m'empêchera pas de la faire. J'ai commencé à la faire. Et tout à coup, euh, les attaques ont cessé, les choses se sont mises à, à... Le vent a changé de côté. Et ça m'a permis de faire ça. Je suis très, très heureux, je me sens bien, de l'avoir fait, puis j'espère que ça va être compréhensible pour la majorité d'entre vous. Si vous ne saisissez pas, pas l'ensemble de ce que j'ai dit au pire vous pouvez la réécouter 3-4 fois. Euh, des fois, les, les, on ne comprend pas sur la première fois, des fois, c'est après deux ou trois répétitions. Mais peu importe. Vous n'êtes pas obligé de tout comprendre l'ensemble. L'important, c'est d'en comprendre l'essentiel. Et c'est à vous maintenant chez vous de décider euh, de la véracité de mes explications. Vous pouvez en faire ce que vous voulez, c'est vous qui êtes maître de ça. Moi, j'ai donné ce que j'avais à donner dans l'essentiel. Maintenant, pour le reste de ce qui va suivre, il y a des éléments aussi ahurissants que ce que j'ai montré là. Pas, euh, je ne vous ai pas montré le meilleur pour le début, puis garder euh, le moins bon pour la fin. En fait, la suite des choses est aussi excitante. Sauf qu'elles ne sont pas nécessaires à démontrer euh, l'importance du signe qui vient cette année au mois de septembre pour lequel il faut absolument relever nos têtes et l'observer avec assiduité parce que réellement, on n'a jamais vu autant de, de preuves que ça. Euh, moi, quand je, vous, je vais juste terminer là-dessus, quand j'ai vu le, les, les explications pour le chapitre... 12 de l'Apocalypse en 2017, ça a été un an avant que j'y croie. Sincèrement, je ne le voyais pas comme étant le signe. Maintenant, ce signe-là, j'en ai glissé un mot les six, six années ou six jours, l'âge de Noé à 600 ans quand le déluge arrive. Et il y a, je pense aussi, réellement une relation. Intrinsèque entre la conception du Seigneur et de son Église dans les six années. Ça, c'est les choses que je vais montrer ou expliquer dans les vidéos subséquentes ou dans la vidéo subséquente. Mais ces explications que je vais vous donner ultérieurement ont rapport au Shemitah. Mais en attendant, permettez-moi de vous en montrer une qui, selon moi, explique exactement pourquoi nous avons eu deux grands signes astronomique relatif au chapitre 12 de l'apocalypse, un qui s'est produit en 2017 le 23 septembre à la fête des trompettes mais qui était plutôt une conception et l'autre qu'on attend qu'on pense être celui du le véritable signe astronomique du chapitre 12 de l'apocalypse qui va se réaliser à la fête des trompettes cette année au 17 septembre 2023. Actuellement, ce que je m'apprête à vous montrer est le joyau de toute la présentation. Actuellement, c'est le point le plus fort de ce que j'ai découvert dans toute cette présentation-là. Alors, soyez très attentifs. Alors, si on considère l'astéroïde Chide, au 15 septembre 2023, on voit que ça, c'est la veille de la fête des trompettes, il n'est pas né, et exactement, la naissance se produit exactement. Pendant la journée du 16. On voit si j'avance le temps, les heures, et voilà, la naissance se fait le 16 exactement. On voit qu'il passe d'un côté à l'autre de la ligne. Ça, c'est théorique, c'est réellement précis. Si on trace une ligne imaginaire entre les deux étoiles qui forment la ceinture de la Vierge, OK? Alors, on parle ici de spectacles astronomiques qui sont célestes. Ce sont des spectacles célestes. Maintenant, regardez ici. Si on regarde Child, son appellation est 4580. Vous voyez ici, 4580 Child. Si on va dans la Strong, on regarde le 4580, nous avons le mot en grec qui s'appelle... Secundus. Secundus veut dire second, ou exactement ça, second. Comme vous vous en doutez, parce que la prononciation est là. Ça, c'est absolument, absolument, absolument incroyable. Réellement, parce que nous savons que le chapitre 12 de l'Apocalypse ici correspond donc à un enfant qui doit naître, et cet enfant-là correspond à ce qu'on appelle l'église qui elle elle est édifiée sur la personne de Jésus-Christ. Donc par transposition c'est Jésus qui dont nous chacun de nous constitue comme une cellule de son corps qui naissons et qui nous allons être enlevés vers le trône du Père donc dans les cieux. Alors vous avez tous vous connaissez tous la nouvelle naissance évidemment et l'Église est constituée de croyants qui sont spécifiquement nés de nouveau. Alors malheureusement, beaucoup de chrétiens qui vont parler de la Bible, qui vont même témoigner, ne sont pas nés de nouveau. Ils ne savent pour la plupart même pas qu'ils ne sont pas nés de nouveau. Sans la nouvelle naissance, il est impossible d'être enlevé ou de naître à ce moment-là, ou d'être enlevé, ou Nous ne sommes pas à ce moment-là considéré réellement comme faisant partie du corps de Christ c'est la nouvelle naissance et elle seule qui détermine euh, que vous ayez des défauts que les gens vous jugent en disant lui il a un caractère, qu'il fait ci ou il fait ça, peu importe l'état dans lequel vous êtes Eh bien si vous n'êtes pas né de nouveau il n'y a rien à faire, vous ne pouvez pas accéder au royaume des cieux alors ceci étant dit eh bien, je vais vous montrer ce que j'ai découvert qui, sont, qui est relatif au premier signe astronomique de 2017 au 23 septembre et sa signification profonde. Là, tout devient clair à partir de maintenant. Je vous invite à aller dans Jean chapitre 3. C'est Jésus et Nicodème concernant la nouvelle naissance. Alors, on y va. Or il y avait parmi les Pharisiens un homme du nom de Nicodème, chef des Juifs. Il vint de nuit trouver Jésus et lui dit Maître, nous savons que tu es enseignant envoyé par Dieu, car personne ne peut faire ces signes miraculeux que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Jésus lui répondit En vérité, en vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. Et écoutez bien ceci. Nicodème lui dit. Comment un homme peut-il naître quand il est vieux Peut-il une seconde fois entrer dans le ventre de sa mère et naître Seconde dose, seconde fois, second. Jésus répondit, « En vérité, en vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, on ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né des parents humains est humain et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau ou que vous naissiez une seconde fois. » Attendez bien, si vous êtes étonné de ça, je vais vous dire, le meilleur s'en vient. Le vent souffle où il veut et tu entends le bruit mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. C'est aussi le cas de toute personne qui est née de l'esprit. Nicodème reprit la parole et lui dit comment cela peut-il se faire Et là, écoutez, soyez attentifs. Je crois que Jésus a prophétisé parce que lorsqu'il répond à ce moment-là à Nicodème, nous qui sommes nés de nouveau, on comprend qu'est-ce qu'il veut dire, Jésus, mais c'est quand même très curieux de la manière qu'il s'exprime, et je pense qu'il nous a prophétisé deux spectacles célestes concernant la nouvelle naissance dans le ciel. Vous allez voir mon explication, écoutez bien. Alors Jésus répond En vérité, en vérité, je te le dis, nous disons ce que nous, a, nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Alors, curieusement, le Seigneur parle de lui. Ne t'étonne pas de ce que je t'ai dit qu'il faut qu'un homme naisse de nouveau. Il parle de sa personne comme lui qui témoigne. Mais tout à coup, verset 11. En vérité, en vérité, je te le dis, nous, il inclut plusieurs personnes, nous disons ce que nous savons et que nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne, le, vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous parle des réalités terrestres, comment croirez-vous si je vous parle des réalités célestes? Est-ce que la plupart des chrétiens, et je l'ai mentionné plus tôt dans ma vidéo, les pasteurs n'ont pas proclamé ce signe-là comme étant relié à l'Apocalypse chapitre 12? Regardez, et là j'en passe le nombre d'informations qui ont été faites par des chrétiens à ce sujet-là, il y en a une panoplie. Est-ce que nous ne sommes-nous sommes pas, nous l'Église, en train de proclamer la possible, la forte possibilité de relever nos têtes parce qu'on attend ce qui semble être le chapitre 12 de l'Apocalypse, mais cette fois-ci le réel signe. Alors on en voit ici des, une panoplie d'informations. Je ne suis pas le seul à sortir des vidéos là-dessus. Alors, le Seigneur, tout à coup, se m'a parlé non pas de lui-même en témoignage, mais de plusieurs personnes qui témoignent. Nous disons ce que nous avons, nous savons, pardon, et nous rendons témoignage à ce que nous avons vu. Ne voyons-nous pas ces signes-là ici dans le ciel? N'en ne, témoignons-nous pas actuellement? Je suis en train de vous dire que le Seigneur, c'est extrêmement subtil, mais nous pouvons décoder la profondeur de cette parole-là ici, qu'il est en train de parler de ce qui se passe actuellement, que nous sommes, nous l'Église, en train de témoigner, et que nous le faisons depuis 2017, et que le signe Apocalypse de l'Apocalypse 12, ou d'une grande naissance ou de conception qui s'est faite en 2017, est en fait relié à celui qu'on va avoir, qui lui est terminal. Lui, il est réellement le chapitre 12, car il va y avoir la présence d'un grand dragon rouge. Eh bien, cette présence-là est encore nécessaire, mais est-ce qu'on doit s'en inquiéter? Non, parce que lorsqu'on lit le chapitre 12 de l'Apocalypse, eh bien, il faut que le grand dragon rouge apparaisse après que l'enfant soit né. Elle est enceinte, elle criait dans le travail du douleur de l'enfantement, et le grand dragon arrive. Au moment de la naissance, c'est-à-dire qu'il reste encore du temps, tout est normal jusqu'à date, il ne faut pas s'en inquiéter. On se posera d'autres questions lorsque les mois et les semaines qui passeront, si jamais on n'a pas la présence d'un grand dragon rouge, eh bien on pourra se poser la question, est-ce vraiment le chapitre 12 de l'Apocalypse? Et la réponse sera probablement négative mais à la lumière de ce que je vous montre là que le Seigneur nous parle de témoignage et que Nicodème lui-même on nous parle de secondo, d'une seconde fois OK au verset 4 comment peut-il une seconde fois qui rend hommage à secondo 45 4580 l'appellation de child lorsqu'on le voit ici eh bien sincèrement je vous dis, j'ai. Je ne pourrais pas répondre à ces questions-là. Je peux juste vous montrer ce que je découvre. Et euh, il y a un pasteur aux États-Unis qui a découvert ce que je vous montre là. D'ailleurs, euh, je vais mettre en référence ces vidéos parce qu'il euh, y a des informations complémentaires aux miennes, des choses qu'il ne sait pas. Malheureusement, c'est très difficile de communiquer avec lui. J'aimerais énormément être en contact pour qu'on puisse se transmettre ces informations-là. Mais bref. Ici, c'est vraiment le joyau, ou un des joyaux à mon avis de ce que je vais vous présenter dans toutes les vidéos qui sont celles qui ont été faites, ce que je vous ai parlé avant et ce que je vais vous parler après. C'est quelque chose d'absolument incroyable. Qu'est-ce que je vous montre là actuellement? Alors on continue. Il dit, personne n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel. Le Fils de l'homme qui est dans le ciel, c'est incroyable. Personne n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel. Actuellement, le Seigneur est descend... il était dans le ciel, il est descendu du ciel. Ok, vous êtes d'accord là-dessus. Le Fils de l'homme, Fils de l'homme, qui n'est pas sans nous rappeler que la comète Nishimura signifie Fils de l'homme allant vers l'ouest. Il nous parle encore du Fils de l'homme, il parle de lui-même ici, OK? Et il parle. Personne n'est monté au ciel sinon celui qui est descendu du ciel. Mais il est descendu du ciel, à ce que je cherche quand il a parlé à Nicodème. Jésus n'était pas monté au ciel, pas encore. Il fait-il fait référence à ce, ce dont on est en train, nous, l'Église, avec lui, de témoigner? Parce que, je vous le dis, Apocalypse 12, beaucoup de personnes ont dit c'est le Seigneur qui retourne vers son Père, mais là je ne veux pas rentrer dans les détails, mais dans Ephésiens il est clair qu'on est tous édifiés dans le corps de Christ. Nous, sommes tous par... nous faisons tous partie de son corps, lui étant la tête, la pierre angulaire, la tête première, et on, nous nous sommes édifiés comme une pyramide sous lui, nous constituons son corps, alors chacun d'entre nous, nous sommes comme une cellule de son corps, comme les blocs. Vous savez que la science dit que les cellules sont le bloc, les blocs du corps, comme les blocs légaux. On construit les corps. Et donc, nous sommes constitués, nous formons le corps de l'Église. Et l'enfant qui est enlevé, étant donné que ça, c'est un signe de la fin des temps, il faut que ce soit nous qui soyons enlevés. Et le Seigneur n'a pas été enlevé. Il est reparti vers son Père après sa crucifixion, après 50 jours. Il est reparti. Et le mot de la racine. De, si on parle de la, de la concordance, si on regarde le mot que, qui est dit, qui est arpazo, pour l'enlèvement de l'Église, eh bien, c'est enlevé avec violence, avec fracas, rapidement. Ce n'est pas le même mot que lorsque Jésus retourne vers son Père. Ce n'est pas du tout le même mot. OK? Alors, ici, lorsqu'on regarde dans le chapitre 12, le mot où, euh, bon, on nous dit ici. Que le fils, qui okay, ne doit pas être des nations, et son enfant fut enlevé. Le mot enlevé ici, c'est le même mot que pour l'église, c'est arpazo. Alors, je ne vais pas rentrer dans ces détails-là, mais c'est réellement important. Et il ne doit pas être les nations avec une verge de fer, on l'a vu. Il, il fut enlevé vers son trône, ça aussi on l'a vu. Alors, ici, c'est réellement incroyable. Il parle qu'il est monté au ciel, alors qu'il n'est pas vraiment monté au ciel. Il prophétise, mais prophétise-t-il sur le fait qu'il va effectivement, après sa crucifixion, qui n'est pas encore arrivée ici, il est dans son ministère dans les trois dernières années de sa vie. Prophétise-t-il sur sa montée vers le ciel ou sur. Fait-il une référence à ce qu'il parle ici, des choses du ciel Il mentionne les réalités célestes. Ces signes-là ne sont-elles pas des réalités célestes Alors, je vais compléter ici parce que c'est des beaux versets. Il dit et tout comme Moïse a élevé le serpent dans le désert aussi le fils de l'homme soit euh, il faut aussi que le fils de l'homme soit élevé afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais ait la vie éternelle. Dieu en effet n'a pas envoyé son fils dans le monde pour le juger mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui, qui ne le croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et voici quel est ce jugement. La lumière est venue dans le monde et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leur manière d'agir était mauvaise. En effet, toute personne qui fait le mal déteste la lumière. Et elle ne vient pas de, à la lumière pour éviter que ses actes soient dévoilés. Mais celui qui agit conformément à la vérité vient à la lumière afin qu'il qu soit évident que ce qu'il a fait est qu'il l'a fait en Dieu. Et il l'a fait en Dieu. Alors, ceci termine cette présentation qui, personnellement, m'a touché énormément. Je crois que nous avons une explication très sérieuse maintenant et confirmée. Du, de la raison pourquoi nous avons assisté à deux grands signes. En fait, nous avons assisté à un premier grand signe en 2017 et que nous sommes probablement sur le point d'assister à un second signe incroyable dans lequel un seul acteur demeure à apparaître, celui du grand dragon rouge. Maintenant, laissez-moi vous montrer quelque chose qui, été, qui vient d'être découvert par une, une sœur qui est absolument époustouflant. Je ne pouvais pas finir ou terminer l'enregistrement de ce premier chapitre-là sans l'inclure. Alors, je me lance. Ici, je me suis mis en position de Jérusalem, comme vous pouvez le voir ici avec le temps de Jérusalem. Alors maintenant, ici, on, vous avez l'horizon et le ciel. Nous sommes situés à 5h11 le matin, avant l'apparition du soleil, avant le lever du soleil. Si j'avance d'une heure, vous voyez la lueur commence à se faire. Maintenant, pour les besoins de la démonstration, je vais enlever l'horizon. Nous savons qu'actuellement, ça se situe en dessous de l'horizon. Je vais replacer la Vierge ici. Première notation, si nous allons dans la chevalure de Bénéris et nous pointons sur l'étoile qui est ici, qui se situe en présence de la femme ou de la Vierge, devant elle, nous avons l'étoile diadème. N'est-ce pas incroyable qu'on nous parle que le grand dragon rouge va se situer en présence de la femme prête à dévorer l'enfant Ce n'est pas le diadème ou les diadèmes qu'on nous parle parce qu'il y a sept diadèmes sur le dragon, sur ces sept têtes du dragon. Mais par contre, je suis certain que ce n'est pas un hasard que cette étoile-là s'appelle diadème. À cette position-là, je vous le dis, c'est impensable. Maintenant, voici la démonstration que je veux vraiment vous faire de ce que la sœur a découvert, a découvert très récemment. Pour les besoins de la démonstration, nous allons rentrer l'enfant Child. Ici, nous sommes la veille de la fête des trompettes, donc le 15 septembre. Je vais grossir l'abdomen pour que vous voyez que la naissance va se produire pendant les heures que je vais vous montrer. Entre le... La veille de la fête des trompettes et le début de la première journée qui est le 16. Vous, avez, vous allez voir une naissance, mais non seulement vous allez voir une naissance, vous allez voir un spectacle ahurissant. Alors voici, je me lance à faire accélérer le système. On va centraliser Child et on fait avancer. Voyez-vous la lueur dans l'abdomen de la Vierge? Ça, c'est dû au soleil qui se lève et qui devient visible au-delà de l'horizon à Jérusalem. On continue d'avancer. Ouais, regardez qu ce qui se pointe. L'Est. L'Est se pointe au moment où on commence à voir la lampe du soleil qui éclaire l'abdomen de la Vierge. Incroyable. Regardez l'est. C'est bien important. L'est. L'est traverse l'abdomen au moment où Child est en train de traverser la ligne de naissance. On continue. Et l'éblouissement continue. Et la naissance est en train de se faire, voyez-vous, très très proche, un petit peu avant, mais on continue. L'abdomen de la Vierge est éclairé, actuellement par le soleil. Et on voit la naissance se faire devant nos yeux, en se rapprochant du 16 septembre. La naissance s'est faite. on peut dire que l'enfant est en train de traverser le cercle de feu de la femme. L'éblouissement encore de l'abdomen est encore présent. La lumière change. La lumière est encore présente. Et tout à coup, elle s'estompe. Et regardez au moment où la lumière de l'abdomen s'estompe de la Vierge. Nous avons l'ouest qui se présente. Le Seigneur, n'oubliez pas, il nous a dit qu'à son avènement, car comme l'éclair passe de l'est et se montre à l'ouest, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Son avènement, je le répète, c'est lorsqu'il vient à proximité de la Terre pour venir nous chercher. Nous avons tout est là, l'Est qui traverse l'abdomen jusqu'à l'Ouest, et nous avons maintenant l'éclair qui est montré. Maintenant, vous allez me dire, ce n'est pas un éclair, c'est le Soleil. Eh bien, regardez ce que je vais vous montrer là. Je suis obligé d'aller dans la Concordance, dans Matthieu, le fameux chapitre 24, et on va aller au verset 27, qui est ici. Il dit donc Comme l'éclair vient de l'Est et va vers l'Ouest, alors ce en sera l'avènement du fils de l'homme, ok? On le voit ici. Maintenant, lightning ou éclair? La concordance est 796. Alors, on nous dit effectivement un éclair, mais regardez ce qu'on nous dit ici. À la brillance d'une lampe. Je vous le dis, c'est bel et bien à la brillance d'une lampe. Ou encore mieux, à la lueur, gleam, ça veut dire une lueur, à la lueur de la lampe. Est-ce qu'on peut avoir quelque chose de plus précis que ce que je viens de vous montrer là Que le soleil, qui est une lampe, c'est exactement ce qu'on va avoir. La lampe qui se lève au moment où de l'est vers l'ouest. On voit l'Est traverser ici pour que cette lueur-là cesse à l'ouest. Quand l'ouest traverse l'abdomen de la Vierge. Pas dans la, dans la balance, pas dans le scorpion, pas dans une aucun autre signe céleste ou constellation céleste des 12 ou 13 qu'on a dans le ciel, mais bel et bien dans le ventre de la Vierge. Je dis, c'est absolument incroyable. Je ne peux même pas concevoir ce que je vois actuellement, ce que je suis en train de vous montrer. c'est pas moi qui l'ai découvert. C'est Michel qui m'en a fait part pendant que j'étais en train de faire mon rendu de vidéo. Et euh, je vais rajouter cette... Euh, cette Étape-là dans ma vidéo, je peux pas passer à côté de cela. Alors, je vous laisse avec une dernière notion ici pour vous laisser, pour vous mettre en haleine, vous garder en haleine de ce qui va venir dans les prochaines vidéos, même si je vous ai donné l'essentiel. Eh bien, ici, nous sommes le 17 euh, septembre cette année. On voit que United Nations est né depuis quelques jours déjà, environ du 12 au 13, ok? Donc je retourne ici. Si on regarde l'appellation de cette comète-là, de cet astéroïde-là, pardon, c'est le chiffre 6000. Si pour le plaisir, on regarde par curiosité la signification de la référence 6000 dans la concordance en hébreu, alors on a le, le nom Amal. Et Amal signifie trouble. Wow! Incroyable! Les troubles! des troubles qui naissent. Oui, parce que du moment que les Nations Unies, qui sont occultées à un organisme de bienveillance de bien, euh, euh, pour l'humanité, c'est pour la paix, la sécurité, pour donner de l'équité, de l'argent à tous, euh, de l'eau, etc., etc., là, ils sont cachés sur euh, un agenda très, très sain, mais ça cache un gouvernement mondial despote un contrôle totalitaire. Toutes les ramifications de cet organisme-là sont pour ça. D'ailleurs, notamment à travers l'Organisation mondiale de la santé, qui est un sous-organisme des Nations unies, tous nos gouvernements ont cédé les droits, en cas de crise sanitaire, de forcer la population à se faire vacciner. Évidemment, avant, c'était compliqué. Chacune des nations mettait une pression. Mais là, c'est les Nations Unies, eux vont s'en laver les mains et on va être forcés réellement à se faire vacciner, à moins qu'on ne soit plus là. Et donc, je retourne à trouble. Ça, c'est incroyable. Mais si on pousse la réflexion encore plus loin, c'est encore plus renversant. Alors ici, la signification de Amal, okay? c'est un mot d'origine arabe qui a ses racines de langage arabe. Et qui signifie que c'est un nom qui n'a pas de sexe, c'est-à-dire que vous pouvez appeler autant une femme qu'un homme à mal. Okay? Et ça signifie labor ou hard work, un travail difficile ou un travail. Et ici, il s'agit non pas d'un travail pour gagner sa vie, mais le travail d'une femme enceinte. Ça, quand j'ai vu ça, je me suis dit, je ne peux pas passer à travers. J'ai gardé ça pour terminer, clôturer cette première partie-là. Wow, le travail d'une femme enceinte. Mais l'explication va encore plus loin que ça. Ça dit que ça peut signifier soit un travail difficile ou un travail ou la pureté ou l'espoir, tout selon votre désir de l'imagination de ce que vous voyez de la naissance d'un futur, de la naissance ou du futur d'un nouveau bébé. Alors, ça nous confirme le travail difficile, si vous voulez d'une femme qui accouche un enfant et selon votre désir ou l'optimisme que vous avez vous décidez si cet enfant-là va avoir ça difficile ou c'est-à-dire qu'il va représenter de l'espoir ou de la difficulté et évidemment pour nous qui avons la parole de Dieu nous savons que les Nations Unies vont émerger en gouvernement mondial et qui va être gouverné par le grand dragon rouge ou Satan lui-même sous le nom de l'antéchrist et ça c'est pour nous ça signifie donc le mal puis le travail est difficile ok la bible confirme ils diront paix et sécurité et une ruine subite s'abattront sur eux comme une femme enceinte ok on le voit dans 1 Thessaloniciens 5 et le verset 3 quand les hommes diront paix et sécurité alors une ruine soudaine les surprendra comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, ils n'y échapperont point. Alors, on voit que pour nous, c'est vraiment la difficulté qui va venir avec l'enfant Nations Unies. Et ce qui est le plus fou, c'est que cet enfant Nations Unies, c'est lui qui proclame la paix et la sécurité. Vous le voyez, United Nations. Puis le, leur primer, c'est-à-dire leur priorité, la paix et la sécurité, mot pour mot. De ce qui est dit maintenant, paix et sûreté, paix et sécurité dans la Bible. Alors, vous pouvez pas, vous n'êtes pas, pas capable de débunker ça, de, de, de donner une explication à ce que je vous montre là. Et, évidemment, pour ceux qui sont du monde, qui n'ont pas la parole de Dieu, évidemment, les Nations Unies, eh bien, quand on regarde leur agenda, eh bien, c'est toutes tout des choses gentilles. La bienfaisance, pas de pauvreté, euh, zéro faim, le but numéro 3 euh, d'assurer la, la santé, la, la longévité, la qualité de l'éducation, euh, l'égalité des sexes, de l'eau propre à tous, euh, bon, etc., etc. Tout est beau là-dedans. Fait que ça, les gens, si vous parlez des gens du monde, vous dites hey, les Nations Unies, c'est si une plaie! Ils vont vous répondre, ben non, euh, les casques bleus aident euh, euh, à réduire les guerres, euh, sont là pour euh, faire de l'action pour la pauvreté, combattre les, les changements climatiques, etc., etc. Donc vous avez d'une part, d'une part, OK, le nom d'Amal, qui pour eux signifie la beauté, qui signifie donc l'espoir. Et d'une part, pour nous, comme dans Thessaloniciens, car ça dit très très bien. Pour ce qui est du temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frère, qu'on vous en écrive. Car vous le savez vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit, quand les hommes diront paix et sécurité à leur nuit soudaine, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte. À mal, hard work, travail difficile. Comme les travails d'une femme enceinte, ils n'y échapperont pas. Point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Alors, ça termine vraiment le premier chapitre.